mesdames et messieurs, ici Diane Gagnon. Vous êtes à Porteur d'espoir à CJMD 96,9 à Lévis. En ce beau mardi d'Halloween, on n'est pas déguisé, mais on aurait pu. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine et je reçois deux femmes merveilleuses. D'abord, elles sont magnifiques. Là. J'ai le privilège de les avoir devant moi. Puis je me dis, mon Dieu, que la vie est bonne de m'amener des amis aussi extraordinaires. Et elles sont surtout porteuses d'espoir et de beaux messages. On va avoir une émission, je pense, très riche de contenu, très riche de sagesse aussi. Malgré leur jeune âge, ce sont des femmes très, très, très inspirantes. Alors, je vous les présente brièvement. Alexandra Villarroel-Abrego, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais te demander de t'approcher plus de ton micro, sinon oui. on t'entend. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est parfait. Super. Maintenant. Merci de t'être déplacée de Montréal pour venir nous rencontrer ici ce matin. Un grand plaisir. J'adore venir ici. Puis, comme je te racontais tantôt, je suis venue rester à l'hôtel, donc ça m'a permis de relaxer, aller à la piscine, aller au sauna, donc c'était parfait. Alors, merci à toi. Et Lise Marie Boudreau, bonjour Lise Marie. Allô, Diane. Qui vient de, j'ai entendu Shepherd tantôt. Shepherd, oui. Ça, oui. Quand même, c'est une bonne route aussi et qui est venue spécialement pour l'émission aussi. Oui, juste pour te voir et voir Alexandra et tous ceux qui nous écoutent. C'est fantastique. Ça va être, je pense qu'on va avoir des belles conversations. On va commencer un peu par parler d'Alexandra, après ça on parlera de Lise Marie parce que j'ai le goût de vous faire découvrir au plus grand nombre de gens possible. Mon Dieu, ma phrase est à même partie, hein. Au plus grand nombre de gens possible. Puis je vais vous présenter un peu. Alors Alexandra, je vais reprendre ce que j'ai posté hier. D'ailleurs, j'invite les auditeurs comme d'habitude, si vous avez des questions ou des messages, je vous invite à les poster sous ma page, sous le post de cette annonce d'émission. Sur ma page Diane Gagnon perso complet ou sinon sur la page Diane Gagnon auteur.coach, j'ai posté aussi le même message. Alors Alexandra, tu es auteur de best-seller, conférencière internationale, coach de vie certifié, président des entreprises AVA, productrice et présentatrice d'Alexandra TV, activiste passionnée. Tu as 26 ans et tu es déjà une experte respectée dans le domaine du coaching, du développement personnel et du marketing en ligne. Et là, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, avec plus de 8 millions de spectateurs dans 215 pays du monde, son émission en ligne Alexandra TV, diffusée en anglais, en français et en espagnol, est devenue une ressource et une référence en ligne en matière de développement personnel, de coaching, de spiritualité et de succès. En 2016, YouTube a annoncé sa première cohorte de créateurs YouTube Next Top Canada et Alexandra a été choisie pour figurer parmi les 15 créateurs dont YouTube estime qu'ils seront les stars des vidéos en ligne de demain au Canada. Rien de moins. Merci pour la belle introduction. Ça. Puis t'as vraiment juste 26 ans là. J'ai 27 ans. 27 j'ai 27 ans puis dans un mois 28. Ah bon, d'accord. Ouais. Merci de préciser. Alexandra, c'est quoi tout ce cheminement là? Ça a parti comment? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Raconte-nous un peu ta vie. Tu viens d'où? Tu parles trois langues couramment? Ouais. Moi, mon cheminement dans ce milieu, dans cette industrie, a commencé en 2009, puis j'avais 19 ans à ce moment-là. Maintenant, si on part depuis le début et de où je viens, etc., ben moi, je suis née à Montréal, au Canada. Par contre, ma famille est de Bolivie, donc en Amérique latine. Donc, c'est pour ça qu'à la maison, on parlait en espagnol. J'ai grandi dans un quartier anglophone à Montréal, dans l'ouest de l'île de Montréal, donc c'est très anglophone. Par contre, j'allais à l'école francophone, parce que la loi 101 dit justement que les enfants d'immigrants doivent aller à l'école francophone, puis c'est une très bonne chose, parce que je pense que la langue francophone est tellement riche, puis tellement aussi difficile, je pense, que d'autres langues à apprendre, à écrire, à lire, etc. Donc, j'allais à l'école francophone, mais dans nos pauses, on parlait tout en anglais. Donc, ça l'a fait que j'ai appris les trois langues un peu en même temps, vraiment. Puis, c'est vraiment un cadeau magnifique parce que là, aujourd'hui, justement, Alexandra TV, quand j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'était en anglais. Par la suite, il y avait une grosse demande. Beaucoup de personnes disaient, tu devrais faire des vidéos aussi en français. Il y a du monde qui regarde. Par contre, dans ce temps-là, c'était 2010.
personne n'était vraiment sur YouTube. Il n'y a pas de vidéo en français sur YouTube. Ouais. Tu parlais de quoi à ce moment-là? De ça, de développement personnel. Ah de oui, déjà à ce moment-là, oui. Parce que, très bonne question, parce que peut-être que les gens, justement, vont pas vraiment comprendre, mais pourquoi commencer à faire des vidéos sur YouTube. La raison pour laquelle j'avais commencé en avril 2010, c'était parce que un an plus tôt, en 2009, c'est là que j'avais eu un genre de, si on peut l'appeler comme ça, un genre d'éveil, où que j'avais réalisé que je voulais pas que ma vie soit comme celle de tous les gens que je voyais autour de moi. Tu sais, 9 à 5, puis pas être passionné par ton travail, détester les lundis, puis attendre impatiemment pour que ça soit le week-end, etc. Je voulais pas que ça soit ça. Par contre, je savais pas comment faire que ça soit différent. Puis la première chose que je m'étais dit, c'était je vais écrire un livre. C'est pas comme si je serais allée à l'université en littérature ou quelque chose comme ça, mais c'est juste parce que je savais que t'avais quelque chose à dire déjà. J'avais quelque chose à dire, puis écrire, ça a toujours été une grande passion. T'sais, j'ai commencé à écrire des journaux intimes quand j'ai commencé à écrire, puis jusqu'à aujourd'hui, j'en ai comme une vingtaine, je pense. Donc, écrire pour moi, c'est toujours ma zone de confort, si on peut dire. Puis au début, ça allait être un livre de leçons de vie. T'sais, à tes 19 ans, là, tu crois que c'est plein de leçons de vie. Donc, je t'ai dit, je vais écrire ça. Puis là, ça s'est peu à peu transformé en aussi un livre self-help, donc d'aide personnelle, t'sais, de développement personnel. Parce que j'étais toujours très douée à donner des conseils à mes amis. T'sais, si mes amis avaient un problème dans quoi que ce soit, ils venaient toujours me parler. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. C'est ça. C'était juste comme ça. T'étais petite, t'allais à l'école, puis t'étais déjà comme ça. Ben ma mère me raconte même que la première fois qu'on est allé en Bolivie pour visiter la campagne, ben, que moi j'étais allée en Bolivie, j'avais 4 ans, puis à ce qui paraît, à un moment donné, on est mon oncle qui est en Bolivie, puis sa femme, ils s'étaient chicanés, quelque chose est arrivé. Puis à ce qui paraît, moi, tu sais, je me souviens pas, mais ma mère, elle dit que j'étais allée les prendre, chacun les deux, puis je les avais assis devant moi dans le salon, puis je leur avais dit qu'il faut qu'on parle, faut qu'on communique, c'est important de communiquer dans les relations. Puis là, j'étais vraiment assise, tu sais, comme la pose de psychologue, puis tu sais, je les écoutais, puis ça, puis eux riaient, ils trouvaient ça très, très drôle. Donc, je pense que c'était très, très inné, si je peux dire. Ouais. Je crois fortement que quand on arrive dans ce monde, on a tous une mission, tu sais, à accomplir. Puis je crois que le fait que je sois née, justement, à Montréal, en 1989, dans un quartier anglophone, aller à l'école francophone, dans une famille hispanophone, c'était pas un hasard. C'était orchestré. C'était très, très, très orchestré, puis je crois vraiment en ça. Comment ça se fait que tes parents étaient ici au Canada? Pourquoi ils ont quitté la Bolivie? Ben, ma mère, elle a quitté la Bolivie toute seule. Okay. Elle a rencontré mon père, qui était aussi de Bolivie, mais ici. Ah c'est oui, c'est vrai. Ouais, c'est ici qu'ils se sont rencontrés, mais elle avait quitté toute seule pour avoir une meilleure vie. C'est comme beaucoup de personnes font. Elle avait fait ses études en Bolivie, elle travaillait pour le gouvernement. Mais tu sais, à un certain moment, quand t'es dans un pays comme ça, tu sais que t'as une limite à qu'est-ce que tu peux faire dans la vie. Ouais. C'est qu'il y a comme un cap qui arrive, puis que tu peux plus rien faire après ça. Puis elle s'était dit, je veux faire plus, je veux faire plus de ma vie. Donc elle était partie toute seule, elle était venue toute seule ici à Montréal. Je pense qu'elle avait 27 ans à peu près. Puis son histoire, tu sais, je dis toujours ça, je dis toujours que je raconte toujours mon histoire quand je fais des conférences, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est mais super l'histoire intéressant, de ma mère, ben merci. merci. L'histoire de ma mère, je pense que c'est définitivement une histoire qui devrait être racontée. Puis, en tant que n'importe quelle personne, je crois que on est qui on est à cause des personnes qui sont venues avant nous, les sacrifices que ces personnes-là ont fait. Puis je sais très bien que je serais jamais où je suis si ma mère aurait pas fait tous les sacrifices qu'elle a fait. Tu sais, elle en a fait beaucoup quand elle est arrivée ici. C'était vraiment difficile. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu étais fille unique? Oui. Je le suis toujours. je crois vraiment. Tu sais, moi, je dis toujours, si j'ai des enfants un jour, je voudrais en avoir juste un. C'est vrai? Ouais. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé être enfant unique. Puis je crois que ça m'a beaucoup aider aussi. Encore une fois, tout était orchestré. Quand j'étais petite, je restais toujours à la maison. On va dire, quand j'allais à l'école primaire, je venais toujours le midi pour manger à la maison. Après, quand je finissais l'école, ben, j'étais à la maison. Puis, j'étais toujours avec mes grands-parents parce que ma mère travaillait durant la journée. Puis, ça m'a beaucoup, beaucoup... ma mère, elle dit toujours, comme c'est à cause de ça que t'es devenu mature si rapidement. Plus tôt. Parce que tu sais, quand t'as un enfant unique puis t'as pas d'autres enfants avec qui jouer, ben t'as pas le choix que d'être assis avec les adultes puis de parler avec eux. Mais tes aptitudes sociales, tu les as développées quand?
À l'école. Donc, j'étais quand même une enfant très sociable, puis je faisais des amis très facilement. Mais c'est ça. Mais justement, quand je retournais à la maison, eh bien, j'allais, puis j'étais assise avec mes grands-parents, puis on parlait, puis mon grand-père me lisait la Bible, puis on parlait, puis j'ai encore un petit livre que, tu sais, j'y posais des questions, puis il y avait plein d'images. C'était comme un livre pour enfants de la Bible. Alors, ouais, donc c'est... je pense que ça m'a beaucoup... Encore une fois, tout était vraiment orchestré, tu sais, le fait que je sois enfant unique, je pense pas que c'était un hasard non plus. Et quand tu t'es mis à faire des vidéos sur YouTube, c'était dans le but de t'exprimer, dans le but de changer des choses? C'était vraiment... C'était quoi qui était à la base? La base de faire des vidéos sur YouTube, c'était qu'en 2010, quand je venais de commencer, j'avais pris un cours d'entrepreneuriat à Montréal. C'était un cours en présentiel. C'était les jeudis durant la journée. Puis ça s'appelait, je me souviens plus trop comment ça s'appelait. C'était, oh oui, mon projet d'affaires. Là, ça existe plus. Mais c'était comme subventionné par le gouvernement. Puis, bref, on était là. Puis je me souviens que dans un des cours qui parlait de marketing, ils étaient en train de parler de, ça, c'est drôle parce que, tu sais, on dit, c'est juste en 2010, mais on dirait que ça fait tellement longtemps parce que je me souviens que le cours sur le marketing, c'était genre, OK, il faut que tu fasses des publicités dans le journal, faut que tu ailles dans la magazine, tu sais, faut que tu fasses ça. Puis là, il y avait quelqu'un qui était venu parler dans cette séance-là, puis elle avait dit que le blogging, c'est très in présentement, puis qu'il faut bloguer. Mais elle dit, mais il y a une chose qui vient de commencer, ça fait pas trop longtemps, puis qui est de plus en plus populaire, puis il faut se lancer le plus rapidement possible, c'est les vidéos. Les vidéos sur YouTube, c'est comme la nouvelle chose, puis ça va commencer à vraiment grandir. Puis là, mon livre allait sortir de cette année-là en 2010. J'avais commencé à l'écrire en 2009, puis j'avais déjà terminé en 9 mois à peu près. Là, j'étais comme, bon, ben, à part ma mère, ma grand-mère, puis mon grand-père, il y a personne qui va acheter mon livre. Il y a personne qui sait qui je suis. Ton livre, donc, Beyond Beauty. Beyond Beauty, exactement, la première version en 2010. Donc, je m'étais dit, ben, je vais commencer à faire des vidéos. Je vais faire des vidéos, puis je vais parler de certains thèmes que j'ai écrit dans le livre. Puis je vais toujours me souvenir que c'était en avril 2010. Un soir, j'avais passé la nuit à écrire. Il y avait encore des chapitres que je suis en train de compléter. Puis là, en écrivant, je me suis dit, hey, ça serait bon pour une vidéo. Ça, faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Puis le lendemain, je me suis assise avec ma petite caméra, presque comme Kodak, là, vraiment, qui était juste une caméra pour prendre des photos. J'ai empilé des boîtes de souliers, j'ai mis la caméra dessus. Des boîtes de souliers, j'aime beaucoup. C'était vraiment ça, tu sais. J'ai mis la caméra dessus, je l'ai allumée, puis j'ai commencé à parler devant la caméra. Et puis en ligne, la vidéo. Et puis en ligne depuis longtemps. Mais c'est très drôle quand je vois la vidéo et quand je vois le progrès qui a été fait. C'est sur quoi? C'était sur le fait que c'était sur les relations amoureuses, comme si, tu sais, dans ce temps-là, j'avais une idée de ce que je disais. Mais c'est ça, c'était sur ça. Puis je disais que dans la vie, on a tous besoin de tout le monde. C'est que on peut pas, c'est qu'on, oui, il faut être indépendant, mais qu'on est tous dépendants les uns des autres. Ouais. On vit dans un monde interdépendant vraiment. Ouais. Donc je parlais de ça. Je parlais de ça, puis beaucoup de personnes, surtout à Montréal. Tu sais, j'avais quand même un grand réseau de contacts et d'amis. Beaucoup de personnes avaient partagé la vidéo. Puis je pense comme 24 heures, il y avait déjà 10 000 vues pour celle-là. Oh mon Dieu! Ouais. Puis le monde m'ajoutait sur Facebook, voulait être mes amis, comme tu sais, c'était comme, je veux toujours me souvenir que le lendemain j'étais partie à New York, puis je sentais que c'était comme je voyais les notifications comme arriver, puis j'allais sur Facebook, j'avais un BlackBerry dans ce temps-là, puis j'allais sur Facebook, puis je regardais les messages que je recevais, puis c'était je vais jamais oublier ce voyage-là parce que tu sais, quand t'arrives à New York, les lumières, l'énergie, je sentais que tout était possible. Tu sais, je sentais que j'étais invincible puis que c'était le début d'une grande chose, d'une grande histoire. Et c'est comme ça que ça a commencé avec YouTube. Puis un an plus tard, j'ai fait de ma vidéo en français. Puis ça, c'est pire, elle est devenue vraiment virale. Elle, 24 heures, il y avait 100 000 vues. Mon Dieu, mais tu parlais de quoi dans celle-là? Ah, encore une fois, la relation, ça pogne vraiment, ça. c'était sur ce thème-là, puis c'était sur... pourquoi est-ce que les gens trompent leur partenaire? Donc, c'était quand même assez controversé. Le titre que moi, je pense que c'est à cause du titre que la vidéo est devenue virale, parce que le titre, c'était « Pourquoi il m'a trompé? » Ah, et mais c'était quoi la réponse? Ben, c'était qu'il y a toutes sortes de raisons, que ça se peut parce que la personne est juste comme ça, tu sais, que c'est la façon qu'elle recherche toujours comme du nouveau, etc. Ça se peut aussi que la personne avec qui t'étais tombé en amour, ben, c'était pas nécessairement la personne que c'était. Aussi, ça se peut que toi, qui la personne est tombée en amour avec, donc toi,
tu n'es plus la même personne. On va dire, ça fait un an, ça fait deux ans, puis tu as complètement changé, etc. Donc, bref, il y avait plusieurs réponses. Encore une fois, la vidéo n'est plus en ligne. On a enlevé ça. Puis, tu sais, quand je regarde ça, c'est très drôle aussi, mais elle est devenue vraiment, vraiment virale, celle-là. En deux jours après, il y avait 300 000 vues. Oh, mon Dieu, Seigneur! Mais ça c'était une très bonne leçon. Parce que là, à ce moment-là, j'avais 21 ans. J'avais mis cette vidéo en ligne. C'était un soir, c'est en février, si je me trompe pas. J'avais mis en ligne. À 6 heures du soir, il y avait 300 vues. Puis je me souviens que j'étais comme, oh, 300 vues, j'ai jamais... Ben, tu sais, j'avais pour la vidéo en anglais, mais pour une vidéo en français, j'étais comme, oh, wow, 300 vues. Imagine que dans le lendemain, j'ai 1000 vues. Ça serait vraiment, vraiment fou. Puis là, le lendemain, je me réveille, puis il y avait 9000 vues. Là, après ça, quelques heures plus tard, il y a 20000 vues. Là, après ça, 70000 vues. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis ce soir-là, j'étais revenue chez moi. Là, ça avait dépassé les 100000 vues. Puis là, je me souviens que j'étais dans mon lit et je lisais les commentaires. Mm. Je lisais les commentaires. Oh mon Dieu, sur YouTube, il y a ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler le coin obscur de YouTube, où on dirait que tous les trolls comme se réunissent, je sais pas si c'est une association ou quelque chose, puis ils décident tous en même temps. C'est ça. Mais tu sais, c'est des commentaires très immatures. T'sais, tu vois que c'est pas des gens qui ont même écouté la vidéo au fond. C'était très sexiste, très misogyne. C'était des choses comme ça. Puis je me souviens que je pleurais. Je lisais les commentaires, puis je pleurais. C'était comme 3 heures du matin. Puis j'étais comme, pourquoi ils sont tellement méchants avec moi? Ils me connaissent pas. Puis là, je sais pas, mais j'ai senti une genre de voix ou quelque chose qui m'a dit, habitue-toi. Parce que si les choses se passent bien, c'est pas la dernière fois que ça va arriver. T'sais, en disant comme tu dois être plus fort que ça. Là. Ouais. Si tu veux vraiment réussir dans qu'est-ce que tu veux, si tu veux vraiment accomplir tous les rêves que tu as, il va falloir que tu sois plus forte. Parce que sinon, ben, oublie ça. Ça va juste te détruire quand les gens vont avoir des critiques et des choses comme ça. Puis à ce moment-là, j'ai comme eu un genre de choc, si je peux dire, où j'ai juste comme essuyé mes larmes, j'ai fait comme tout bad, j'ai fermé mon petit laptop, puis je suis allée dormir. Puis est-ce que tu lis encore les commentaires maintenant? Pas vraiment. Non. Ben c'est sûr que tu sais sur Alexandra TV, on met les vidéos à toutes les semaines, donc oui, j'essaye de regarder, mais tu sais surtout s'il y a des commentaires négatifs, ce qui est quand même rare maintenant. Mais il y en a des commentaires stupides très souvent, tu sais que tu vois que c'est un petit garçon de 13 ans qui est dans une crise d'adolescence boutonneuse. C'est ça, exactement. Puis il a décidé d'écrire un commentaire vraiment méchant et vraiment par rapport avec la vidéo ou quoi que ce soit, ça me dérange plus. Mm. Mais très souvent, pour être honnête avec toi, ça me fait rire. T'sais, des fois, ils sont quand même assez drôles. Ils disent des choses qui sont quand même drôles. Mais tu sais, j'imagine, t'es superbe, t'es magnifique. T'sais, j'imagine que pour un petit gars, c'est comme... Hey, c'est pas accessible pour moi, cette femme-là. Fait que je suis aussi bien de la détruire. T'sais, bon, c'est sûr, on parle dans la tête d'un jeune immature, mais t'sais, ça peut faire peur. On avait déjà discuté de ça, toi et moi. T'sais, cette beauté-là peut faire peur. T'sais, c'est gentil. Oui. Est-ce que tu dirais que ça t'a amené plus de positif que de négatif? Je vais dire ton physique en général. Ben encore une fois, vu que je crois que tout est vraiment orchestré, je crois que c'était du positif. Je crois que c'est sûr et certain qu'il y a toujours des critiques. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont, tu sais, je le sais là, je suis pas née hier malgré le pas si longtemps que ça. Mais tu sais, je peux voir quand il y a cette jalousie. Ouais, je peux le voir, puis je peux voir aussi le jugement parfois de oh mais tu sais elle a dû avoir ça facile parce qu'elle c'est tu sais mais à la fin de la journée je peux pas dire que ah oh, non tu sais ça m'a pas je pense que ça faisait partie de l'histoire et de qu'est-ce qui devait être accompli. Je crois que c'était vraiment orchestré, tu sais, c'était pas une coïncidence que mon esprit incarne ce corps là donc avec le temps j'ai vraiment arrivé à accepter ça, malgré le fait qu'il y a des critiques, j'arrivais à être vraiment confortable avec ça, puis savoir que, tu sais, même remercier l'univers, puis dire, je sais que mon esprit a choisi la bonne personne pour accomplir sa mission, tu sais, dans cette vie. Donc ça, je suis rendue à un point que ça me dérange plus vraiment les critiques, etc. Et si tu mettais ça en mots, ta mission, tu dirais que c'est quoi? Ma mission, c'est d'inspirer, d'enseigner et d'aider les gens à aimer la vie, à aimer les autres et à s'aimer soi-même.
Ça serait vraiment, vraiment ça. Je crois qu'on est présentement dans un temps où il y a un grand déficit de l'énergie de l'amour. Donc, il n'y a pas assez d'énergie d'amour. Et je crois que ce manque d'énergie d'amour dans l'univers, eh bien, vient du fait qu'il n'y a pas assez d'énergie féminine. Et justement, mon ouais. livre, la nouvelle version, parle beaucoup de ça. Là, je m'en vais en tournée. Ça va être sur ça aussi, sur le fait qu'on doit avoir plus... Il faut qu'il y ait plus d'énergie féminine. Et quand je dis, et j'utilise le mot énergie féminine, quand les gens ne sont pas familiers avec le monde de la spiritualité, ils vont très souvent croire que c'est seulement pour les femmes, que je parle seulement aux femmes, mais c'est pas ça. L'énergie féminine, on a ça à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Mais présentement, la majorité des hommes et des femmes sont à la poursuite de la liberté. Puis la liberté, eh bien, c'est le désir ultime de l'énergie masculine. Donc, tout le monde... Ah oui, si on, pourquoi? Ouais. Ben, l'énergie féminine, son désir le plus grand, c'est l'amour. L'énergie masculine, son désir le plus grand, c'est la liberté. C'est les deux grands désirs de l'être humain. Puis peu importe quel rêve, quel but, quel objectif que tu as, ben, c'est basé sur un de ces deux désirs-là. T'sais, si ton rêve, c'est d'avoir des enfants ou de fonder une famille, ben, c'est l'énergie de l'amour, justement. Si ton rêve, c'est de voyager à travers le monde, de bâtir une entreprise, ben, c'est la liberté. Puis aujourd'hui, la majorité des gens sont à la poursuite de la liberté. Mmh. Les gens veulent démarrer leur entreprise. Les gens veulent voyager à travers le monde. Mmh. Les gens veulent être plus libres financièrement, etc. Puis il n'y a rien de mal avec ça. T'sais, moi aussi, j'ai un grand désir pour la liberté. Mais le problème, c'est que tout le monde néglige l'amour. Mmh. Tout le monde néglige l'énergie de l'amour. Mais pas tout parce le monde. Que, ben ouais, pas tout le monde, c'est sûr et certain. C'est très, très vrai. Pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de personnes vont négliger ce qui est l'amour, l'énergie de l'amour. Mmh. Puis à cause de ça, ben il y a plus de peur dans l'univers. Donc c'est vraiment en rapport à ça ma mission. Puis je suis très très passionnée par ça. Quand tu donnes des conférences partout à travers le monde, tu parles de quoi? Ben tu là, racontes ton histoire un peu, je pense au début. Absolument, je raconte l'histoire. Ça dépend. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on m'invite à partager, n'est-ce pas? Donc, tout dépendamment de la scène sur laquelle je suis, on va me dire, OK, ça, c'est la leçon. Puis, j'essaie toujours de la leçon et l'enseignement que j'ai à donner. Si quelque chose un peu plus méthodique, un peu plus comme stratégique, etc., j'essaie toujours d'intégrer ce qui est l'émotion et tout ça dans ce que je partage là. Je m'en vais en tournée en début de l'année prochaine. Puis, ça s'appelle Full Feminine Power Now, donc pouvoir féminin total maintenant. Et ça va parler de ça. Ça va parler de l'histoire des femmes et notre futur. Donc, où on s'en le sous-titre de la conférence, c'est A Talk About Our Story, About Her Story and Our Future. Parce que his story, c'est his story. En anglais, ça veut dire son histoire, mais au masculin, à lui. Mm. Puis c'est vrai qu'à l'école, quand on y pense, on a beaucoup appris sur ce que les hommes, ils ont fait. C'est les guerres à travers l'histoire. C'est vrai, l'histoire est complètement faite à partir de l'histoire des hommes. Exactement, ouais. C'est très, très... l'histoire patriarcale, n'est-ce pas? Mais on connaît pas, en tant que femme, notre histoire à nous. Mm. Puis tout ce que les femmes ont accompli à travers l'histoire. Donc, ça va être sur ça, la conférence que je vais faire durant la tournée. Faudrait que tu, pendant ton séjour à Québec, il faudrait que tu visites le monastère des Augustines, si tu l'as pas déjà vu. Pas, parce que, bon, évidemment, c'était des religieuses, c'était des sœurs, mais c'était les premières arrivées en Amérique pour soigner les gens qui ont bâti le premier hôpital, l'Hôtel Dieu, qui ont, l'hôpital général qui est depuis l'hôtel, c'est ça, l'Hôtel Dieu aussi, et qui étaient les soignantes, hein, dans leur musée, on voit tout ce qu'elles ont apporté. T'sais, comment c'était les femmes qui soignaient à ce moment-là, puis qui guérissaient, parce qu'à l'époque, on traitait cœur, corps, esprit en même temps. Mm. Et puis, les hommes sont arrivés, la médecine est arrivée, la science est arrivée, puis ils ont coupé ça, ils ont dit non, on soigne le corps, il y a un bobo, on l'enlève, plutôt que de dire, OK, d'où origine ce mal-là. Mais c'est fascinant, je te donnerai les coordonnées tantôt. Oui, on salue Isabelle Duchesne, qui en est la merveilleuse directrice générale, qui fait un travail extraordinaire. Et c'est très touchant. D'abord, c'est beau, c'est un édifice de toute beauté, et c'est très, très touchant de visiter ça. On récupère une partie de ce qu'on est, je dirais. De l'histoire. Oui. Puis, tu sais, dans l'humilité, hein, les sœurs ont toujours été assez humbles à ce niveau-là, ce qui n'est pas toujours le cas de... des gens qui réussissent, je dirais, habituellement. Je fais attention à ce que je dis, je veux pas me faire traiter de sexiste non plus.
Alors, quand tu te promènes, là, tu vas te promener un peu partout. Tu vas oui. où? On fait une tournée mondiale. Vu qu'on va faire le Canada, on fait les États-Unis, puis on fait l'Europe. On fait 11 villes en tout. On va commencer à Los Angeles. C'est en anglais, vu que la nouvelle version de mon livre est en anglais. On va commencer à Los Angeles. La première, c'est le 11 janvier. Après, on fait Vancouver. Après, on va faire Chicago, Dallas, Miami, New York. Après, on fait Stockholm en Suisse. En Suède, devrais-je dire. Après, on fait aussi London, UK, Londres. Puis après, on fait aussi Berlin. Tu la ferais pas en français? Ben, c'est sûr que quand le livre va sortir en français, c'est sûr que je vais faire toutes les villes francophones. Il sort quand, celui-là? Est-ce qu'il est sorti? Il me semble que je l'ai vu annoncer sur ton site. Juste en anglais. Juste en anglais pour le moment. On veut se concentrer vraiment sur le livre en anglais, tu sais, parce que la réalité, là, pour être honnête avec tout le monde. On veut, parce que beaucoup de des personnes qui vont me suivre achètent le livre même si c'est en anglais. T'sais, ils lisent pas en anglais. T'sais, France, on a eu plein de commandes. Puis les gens, ils achètent ça. Donc, c'est sûr que c'est plus avantageux, t'sais, que tout le monde achète en anglais en premier. Et là, après, on pourra le faire en français, mais aussi en espagnol. C'est une grande demande aussi. Puis, on fera une tournée dans les pays en espagnol. Mais c'est ça, on se concentre une chose à la fois. On essaie de faire ça une chose à la fois. Mais j'ai très, très hâte. Ça va commencer en janvier. Puis, ça va durer jusqu'au mois de mai, parce qu'on fait deux villes par mois. Et la dernière ville qu'on va faire le 31 mai, c'est à Montréal. En anglais aussi? En anglais aussi, ouais. Mais j'ai plusieurs de mes étudiantes qui ont acheté leurs billets pour Londres, qui sont en France, puis elles comprennent pas l'anglais. Puis elles vont venir pareil parce qu'ils veulent quand même. Tu vas avoir de la traduction simultanée un peu ça serait le fun, mais on n'a pas encore pensé à si ça vaut vraiment la peine. Tu sais, c'est sûr que oui, j'ai vraiment mes étudiantes que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont avec moi puis qu'ils veulent vraiment être là, qu'ils vont être là. Mais est-ce que tu sais, vu qu'on fait juste la promo vraiment à Londres ou à Berlin, est-ce que ça va vraiment valoir la peine? On va voir. Rendu là, parce que ça va être en avril, ces dates-là pour l'Europe. Là. Qui s'occupe de ta carrière pour que ça roule aussi rondement que ça? C'est moi. Honnêtement, c'est principalement moi. Il y a une chose que j'ai compris très... Lise Marie et moi, on se regarde, on se dit, mais comment elle fait pour le mot? OK, mais... faut que tu nous donnes des trucs. On recommence, nous, hein, on reset, puis on suit ses traces. C'est une Wonder Woman. Vous êtes des Wonder Woman aussi, là. Faites même pas semblant. Je le sais très bien que vous l'êtes. Honnêtement, une leçon que j'avais appris très, très rapidement, c'était... En 2010, quand j'avais commencé, il y avait eu déjà des personnes qui montraient un intérêt à vouloir me représenter en tant qu'agent, manager, etc. Après, en 2011, c'était pire. Quand la vidéo était devenue virale, j'avais des propositions de des chaînes de télévision, des producteurs qui voulaient produire mon show, etc. Puis, pendant très longtemps, j'avais travaillé avec des personnes qui s'occupaient des choses. Puis, une chose que j'ai réalisée très rapidement, c'est que personne va... vouloir que tes rêves se réalisent autant que toi. Donc, il y a personne qui va vouloir travailler aussi fort, aussi... T'sais. C'est sûr qu'il y en a, mais c'est très rare de trouver une personne qui va être autant ou même plus passionnée que toi pour ton rêve, puis qui va vraiment, vraiment t'sais, se donner corps et âme à ton rêve. Puis une chose qu'il faut aussi comprendre à propos de moi, c'est que je suis très, très... je travaille vraiment, vraiment fort. Je suis quelqu'un qui va être réveillé à 1h du matin, à 2h du matin, 3h du matin, parfois jusqu'à 4h du matin en train de travailler. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ce rythme-là. Puis je respecte ça et je comprends. T'es même pas cerné, c'est pas juste. C'est le maquillage, ça se voit pas. C'est en dessous. Quand même. J'ai un très bon maquillage. Mais c'est ça. Donc, je travaille beaucoup, beaucoup, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à travailler à ce rythme-là. Et encore une fois, comme je dis, je comprends et je respecte ça complètement. Donc, une chose que c'était peut-être en 2012, 2013 que j'ai fait, c'est quoi? Oui, je vais travailler avec du monde. Oui, il va y avoir du monde qui va m'aider, mais c'est moi qui va être responsable à 100% de tout ce que je veux faire. Parce qu'il y a personne qui va vouloir ça, qu'est-ce que je veux, autant que moi. Mais ton émission de télé, t'es un réalisateur, un producteur ou ça? Alexandra TV, qui est en ligne, j'ai une équipe de production, mais c'est moi la productrice exécutive. C'est moi qui prends les grosses décisions, c'est moi qui s'occupe de tout faire, c'est moi qui crée les horaires, c'est moi qui a la direction artistique, si on peut dire. Donc, je serais aussi, peut-être que c'est un côté que j'aime avoir le contrôle des choses. C'est ça. On n'aurait jamais deviné. Donc, tu sais, j'aime ça que les choses se passent comme je veux qu'elles se passent. T'es très déterminée. Je suis très déterminée. Puis, mais c'est sûr que oui, j'ai des personnes comme là, par exemple, en 2013, j'ai rencontré mon agent littéraire. Il habite à Los Angeles. Puis, qu'est-ce que ça fait, un agent littéraire?
eux, c'est eux qui s'occupent de vendre ton livre, mais aussi te connectent avec des... Ben ouais, dans le fond, ils te connectent avec les bonnes compagnies de d'édition. Tu sais, on a signé un contrat avec une compagnie d'édition à New York, donc ça, c'était quand même assez, assez intéressant. Puis c'est à cause de lui. Donc lui, il est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel, puis tu sais, la tournée qui va s'appeler Full Feminine Power Now, ça, c'est son titre à lui. Ah, qu'est-ce oui? que je veux dire par là, c'est que quand on s'est rencontrés en 2013... on s'était assis ensemble, c'était une conférence pour auteurs. Puis là, il m'a dit, c'est quoi ta mission? Puis là, j'ai dit, je veux enseigner les gens à avoir confiance en eux, etc. Puis, tu sais, j'avais 23 ans, puis là, il est comme, non. Il est comme, moi, tu sais, ça fait longtemps que je fais qu'est-ce que je fais, puis je peux le voir en toi, que ta mission, ça va être de parler du pouvoir féminin, puis de tout ça. Puis c'est lui qui m'a un peu vraiment guidée dans ton, ton agent littéraire. Ouais, puis mon agent, tu sais, c'est quasiment un mentor. Ah hein? Ouais, vraiment. Puis la raison pour laquelle je l'ai écouté, c'est parce que c'est un agent qui a représenté beaucoup, tu sais, il représente Neil, Donald Walsh, Eckhart Tolle, c'est Chicken Soup for the Soul, toute cette série-là, c'est lui qui a tout lancé ça. Donc c'est quelqu'un qui fait ça depuis très très longtemps, puis il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc quand il a commencé à me parler de ça, c'était, ça a résonné en moi, j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai commencé à voir que, oh wow, comme tu sais, c'est vraiment, je sens que c'est ça que je dois faire. Puis lui, il m'avait envoyé son livre, parce qu'il est aussi auteur, puis il a écrit un livre, de fiction qui s'appelle The Power of 12, le pouvoir de 12. Puis dans ce livre-là, il y a une femme qui s'appelle Gail. Puis Gail, elle a écrit un livre qui s'appelle Full Feminine Power Now. Puis Gail, elle fait une tournée à travers le monde, puis elle parle de ça. Puis c'est comme un livre vraiment, tu sais, intense dans le fond, que dans le sens où que le monde est à veille d'arriver à la fin. Puis là, Gail est là. Puis qu'est-ce qu'il m'a dit quand il a envoyé le livre? Il a dit, s'il m'aurait rencontré avant d'écrire le livre, il aurait appelé Gail Alexandra. Mmh. Donc c'était tellement comme la chose la plus touchante au monde. Quelqu'un comme ça, tu sais, te dit ça. Donc quand je lui ai demandé, est-ce que c'est correct si j'appelle Full Feminine Power Now la tournée, puis il a dit, you don't need to ask, it was written. Tu n'as pas besoin de demander, ça a été écrit comme c'était écrit. Ouais. Donc c'est ça. Il y a lui qui s'occupe de ce côté-là, puis de me connecter aussi avec beaucoup de personnes qui sont déjà très établies dans le milieu. Quand on va être à Los Angeles, on a déjà beaucoup d'entrevues qui sont programmées. Puis aussi, il y a une compagnie avec qui que je viens de commencer à travailler, ça va être trop longtemps, qui s'occupe aussi de ce qui est les sponsorships, et etc. Puis aussi, ils ont beaucoup, beaucoup de connexions, mais malgré le fait qu'il y a ces personnes-là extraordinaires, qui sont là puis qui sont en train de vraiment m'aider à faire que les choses passent au prochain niveau, je m'assure de quand même garder comme le contrôle de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis quand je signe des contrats et des choses comme ça, tu sais, je suis très je négocie beaucoup. J'ai une tête très très dure, donc puis aussi quand ça fait longtemps que tu fais, tu sais, moi ça fait 7 ans, à la fin de la journée, tu as travaillé tellement fort, tu as sacrifié tellement que pour que, on va dire, donner un pourcentage à quelqu'un ou travailler avec quelqu'un, faut vraiment, vraiment que ça soit comme, que ça vaille la peine. Donc, ouais, j'imagine. Que, hein? Ouais. Parce que on a l'impression que c'est très, très lucratif, mais c'est lucratif si on gère comme il faut. Exactement. Puis c'est ça. Pas tout le monde qui réussit à vivre de ça non plus. C'est ça, exactement, malheureusement. Mais ouais, donc c'est très très important pour moi de quand même garder le contrôle. Mais c'est bon, on aime ça. On va prendre une pause parce que oui, chers auditeurs, maintenant je dois faire des pauses dans l'émission. Je vous dirai pas que ça fait yeah, parce que j'aime ça, vous me connaissez, j'aime ça continuer avec mes invités puis aller en profondeur dans l'entrevue. Mais on est victime de notre succès et on est très content de cette opportunité-là. Alors je fais une petite pause et je vous reviens et là on sera avec Lise-Marie Boudreau dans quelques secondes. CJMD, la seule radio à Lévis. CJMD. Ginseng music all day, yeah. Pose une tonne de briques avec un bec, c'était capable, kid. Touche une corde de guette, achète un bec, brique à braque, still. Get it comme un canapé, juste ta famille. Chillin' sur le bord de la falaise, mais sur un canapé. Suc de canne, y'est baraté. J'fais du bar pour mon people, impossible de m'arrêter. Mets la lard dans un Jeep Move, Jinko Biloba. Ringo Starr, pis Ghost Dog. Gringo got a beau pas, Bingo
game can go wrong. Mon limbo fame is so long. Bud singles sur l'album. Just une gang de chum. LQG R song. Blast gun. Bazooka Joe. Yo, j'suis super stoked. Bro, suis la direction dans laquelle chef d'orchestre vit loop a go. Claude Bégin qui bouge en beau. Capitaine lors du crochet. Sur un pédalo, sort du brochet avec un exacto. Technique de vrai gars. French de pète au Sega. Bob Nell forever sur un bread and butter better. Jamais compris pourquoi y'a pas juste plus de cours de sport. J'arrive chez nous, j'ai le goût de monter les brest aller-retour. Dessine nos bifages, mais on revire de bord. On a envie de sentir qu'on vit plus que les théorèmes de Pythagore. On prend 96.9fm.ca. Écoute en direct, podcast, grille horaire. Rejoignez nos animateurs en ondes. L'alternative radiophonique, CJMD, Lévis. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la rive sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 418-254-29 1-1, ou vous visitez le hervépouliot.com. Autorive-Sud en affaires depuis 25 ans a un nouvel emplacement. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est Autorive-Sud, tu connais ça? Ben oui, c'est l'entreprise familiale qui vend des véhicules usagés avec le meilleur service, les meilleurs prix puis le meilleur choix à Lévis. Les connais. Ils sont à deux pas de la station au 50-55 sur le boulevard Guillaume-Couture. Parfait ça, pas de charge, je peux y aller à pied. Oublie pas leur excellent site internet pour pouvoir mieux t'informer. Ah ouais? Ah ouais, c'est auto avec un S, rivesud.ca. Ben oui, tu vois, hey, c'est donc bien beau. Ce site-là, tout est là. Et même le formulaire de financement, c'est pas peu dire. Autorive-Sud maintenant au 5055 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Ça fait 10 ans que Le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a de tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de Lauzon. Découvre Le Corsaire Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume-Couture. Au Corsaire, lève ton verre. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la rive sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot, 418-254-2911, ou vous visitez le hervépouliot.com. CJMD, la seule radio à Lévis. Alors, on est de retour avec mes invités, Alexandra Villarroel Abrego et Élise-Marie Boudreau, avec laquelle on va discuter à l'instant. Je vous fais une petite présentation parce que ça aussi, c'est pas piquer des verres. Je prends mes notes parce que elle aussi, Lise-Marie, elle a un cheminement extraordinaire. Alors, je commence. Présidente, directrice générale du Centre de formation professionnelle en relations humaines, thérapeute spécialisée en relations humaines et en relations d'aide, auteure et enseignante de plusieurs programmes de formation et ateliers professionnels, créatrice de matériel pédagogique et didactique, coach et mentor, conférencière. Grâce à sa compréhension des comportements humains fondamentaux, Lise-Marie souhaite nous inspirer à prendre le chemin de la maîtrise de soi pour une vie choisie et inspirée. J'adore ça.
La mission de Lise-Marie est claire, vous offrir la meilleure boîte à outils possible pour vous aider dans vos démarches. Lise-Marie, bonjour. Allô, Diane. Quel plaisir de te recevoir. Nous, on se croise dans les salons de développement personnel et de bien-être, puis on se parle entre nos kiosques. Hein? C'est souvent comme ça qu'on on a eu des échanges. Et puis là, j'ai le bonheur de te recevoir. Merci pendant... pour l'invitation. Ah, écoute, merci d'avoir accepté. Et surtout que c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Parle-nous de toi. Tu viens d'où? Et t'en es venue comment tout ça? Parce que t'as été enseignante, je pense. Hein? Disons que j'ai toujours été attirée par l'enseignement. Donc, mes études ont été, excusez-moi, principalement en éducation. Et puis, parallèlement à ça, j'ai toujours été fascinée par le fonctionnement humain. Donc, les deux ont été parallèle et on fait partie. Donc, mêler les deux ensemble, ça donne ce que je fais maintenant. Mmh. Mmh. Tu faisais quoi avant de faire ce que tu fais maintenant? Tu étais dans une école, je pense, un cégep, je sais pas, je me souviens plus ce que j'ai... Non. Et en fait, j'ai toujours pas mal fait ce que je fais maintenant. La seule chose, c'est que là, j'ai acheté une entreprise pour pouvoir... Comme disait tantôt Alexandra, être un peu, avoir le contrôle de mes activités. Je suis pas le genre de personne à avoir un patron. D'ailleurs, j'en ai jamais eu. Ouais. J'ai rien contre ça, mais pour moi, ça colle pas à non, moi. Ouais. Et puis, est-ce que tu sais pas, j'ai envie de dire ça depuis tantôt. Oui, vas-y. C'est que pour moi, c'est un bonheur d'être ici avec Alexandra. Ce que tu sais pas, c'est que Alexandra, c'est ma coach. Non. Oui, je te jure. J'ai rencontré Alexandra il y a 2 ans déjà et sur la scène, dans un mastermind privé et puis que moi j'étais invitée et puis Alexandra est allée sur la scène. J'ai dit waouh, quelle belle personne. Merci. Son jeune âge, c'était fascinant. J'étais impressionnée. Et puis, donc elle a 27, elle avait 25 à l'époque. Et puis, j'ai dit, il faut que je l'interviewe. Je l'ai interviewée et ça a fait comme, ben voyons donc. Toutes les entrevues que j'ai faites, j'ai dû faire du coupage. Et elle, j'ai rien coupé. Tout était bon. Et donc, c'est une grande inspiration pour moi. Et puis, depuis quelques semaines, j'ai engagé ses services pour me coacher. Ah oui, pour faire quoi? Ben tu sais, tantôt, là, la question que tu lui as demandé, là, t'arrives, tu fais quoi pour gérer toutes tes entreprises et tout ça? Eh bien, c'est ça. Comme elle y arrive pas mal par elle-même, ben moi, j'ai dit, j'ai besoin de ça. Et puis, honnêtement, j'ai juste envie de conclure là-dessus. C'est, j'ai de la misère à la suivre. puis, mon âge. J'ai presque le double de son âge. Donc, ceci dit, Lise-Marie est excellente vraiment dans tout ce qu'elle fait, puis en faisant le coaching avec elle, je peux voir à quel point elle a tellement de talent dans ce qu'elle fait. Elle s'y connaît tellement bien, puis c'est vraiment un privilège, un honneur pour moi d'être sa coach et de l'accompagner dans ce processus-là. Et moi donc. Oh, merci. Donc tu prends-tu encore des clients d'Alexandra? Ben cette année c'est ma dernière année. Cette année, je l'ai annoncé, c'est ma dernière année de faire du coaching one-on-one. Là, je vais juste me concentrer sur les programmes en ligne. Parce que ça fait trop à un moment donné. Ça fait beaucoup. Puis aussi, vu que je vais être en train de voyager beaucoup, ça va être très, très, très difficile. Ouais. Ça me tente pas d'être quelque part dans le monde puis d'en aller chercher du Wi-Fi pour me connecter sur Skype pour faire une séance. Ça me tente pas. Donc, c'est une de mes dernières étudiantes, les amis. Oui! C'est bon. Donc, ta question était, c'est que en fait, moi, je suis, j'ai été maman avant tout. Oui, t'as deux fils, toi aussi. Oui, deux merveilleux garçons. Quel âge ils ont, je refais? Hey boy! Ça se dit, oui. Oh, ça se dit. T'es comme moi, hein? Hey boy. On n'aime pas ça dire l'âge de nos enfants. 33 ans et 32 ans. Ah, quand même! Deux garçons extraordinaires. Et j'en puis, doute pas. Mon rôle de mère a pris le dessus, d'épouse de mère a pris le dessus sur tout le reste, bien sûr. Fait que j'ai privilégié ça. C'est sûr que j'ai continué toute ma vie à étudier. Donc, à temps partiel, j'étudiais à l'université. Toujours dans l'éducation, puis en psychologie, dans ce domaine-là. Ouais.
Et puis, l'appel, à un moment donné, est venu en moi de, quand les enfants deviennent plus grands, plus autonomes, ouais, vers l'adolescence. Et là, il y a eu un tournant important dans ma vie qui a dit, là, j'en peux plus, dans tous mes rôles, j'en peux plus, parce que j'étais... Oh, j'adore le sens de l'humour de la vie, j'adore. J'ai toujours des invités qui me ramènent en pleine face ce que je suis en train de vivre. Voilà. Mais là, je sais pas si tu vas avoir envie de faire ce que j'ai fait, mais moi, j'ai tout quitté mes rôles. Donc, j'ai arrêté d'être l'épouse de, la mère de, la fille de, la sœur de, la collègue de, j'avais une carrière j'étais au pic de ma carrière, donc la carrière idéale, le setup idéal, je vous le dis, là, la vie de l'extérieur, là, c'était à envier. Setup parfait. Et puis, j'ai tout lâché. Qu'est-ce qui faisait que tu t'étais plus bien dans ça, tu crois? À l'intérieur de moi, je crois que je me suis perdue. En fait, c'est à vouloir être dans des rôles X. Et tous les rôles et être parfaite, parce que moi, j'ai comme plusieurs personnes, le syndrome de la perfection. Là, je l'avais dans le tapis. Et puis... Je dis toujours que c'est l'antidote au bonheur, hein, le perfectionnisme. Là. Oui, 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 oui. Et donc, à un moment donné, c'est juste que j'ai eu un appel à l'intérieur de moi de lâche tout ça, retrouve-toi. Ça faisait déjà un moment que je restais dans la situation, ben pour les enfants, puis je suis partie. Je pensais prendre ma retraite à l'époque, il y a 15 ans, et je suis partie à ce moment-là pour 3 années finalement. Je suis partie pour l'Inde d'abord. C'est vrai? J'ai été 7 mois là-bas. 7 mois en Inde? Oui, oui, oui. Tu vivais quoi, dans un ashram? Les 3 premiers mois, j'ai été dans un ashram de yoga, dans un centre là-bas. Et puis, après ça, j'ai décidé d'aller vivre dans le peuple. Donc, entre-temps, je suis revenue. Je suis jamais partie. Faut dire, parce que j'ai eu des jugements déjà parce que t'as abandonné tes enfants. Là, mes enfants sont rendus, là, ados, 16, 17 ans, là. Puis on était très fusionnels. Moi, j'étais très fusionnelle avec mes enfants. Et c'était devenu plus sain si je restais avec eux. À un moment donné. Ça les empêchait de prendre leur envol. Oui, oui, oui. J'étais la femme la plus extraordinaire de leur vie. Et c'était correct que je parte à ce moment-là. Je dis pas aux autres de partir, mais moi, c'était l'appel. Et c'est sûr qu'à un moment donné, bon, ils se sont sentis abandonnés, et puis un peu tout le monde dans la famille. Mais pour moi, je m'abandonnais si je restais. Donc, je suis partie. Et je suis jamais partie plus que 4 mois. Donc, puis ce que je dis souvent aux personnes quand je prends une pause comme ça, parce que c'est arrivé souvent, et Clément qui est le père de mes enfants, il disait, ben Lise-Marie, je l'ai toujours su, comment est-ce que tu partirais vraiment là, parce que je faisais des pauses, mon nez, je partais 2 semaines tout seul, puis j'allais me ressourcer. Ça a été tout le temps dans des monastères. Toute ma vie je faisais ça. À un moment donné, des 2 semaines, j'avais besoin de me ressourcer, revenir à moi, ma quête intérieure, la appel de ça a toujours été là. Et puis, à ce moment-là, donc, je partais pas plus que 4 mois, mais 4 mois, je suis revenue ici au mois de février, et j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Je suis repartie. Donc, ce que j'ai... Surtout en février. Ah, oui. Puis l'Inde, j'avais l'impression, après avoir traversé le choc culturel de la première semaine, parce que c'est un choc, là. Ouais. Moi, ma bulle est grande, OK? Donc, là, t'en as pas de bulle, t'as du monde proche. Là, les odeurs, ce que tu vois et tout. Donc, après avoir traversé ça, je me suis sentie chez moi. Et j'ai jamais été autant en sécurité qu'à cet endroit-là. J'ai voyagé beaucoup dans le monde. Il faut dire que t'es blonde aux yeux bleus, puis blonde aux yeux bleus, là-bas, ça passe pas inaperçu, là. Et que non, que j'avais pas l'air d'une Indienne. Et cependant, je m'habillais comme la culture là-bas. Et puis, j'ai pris un appartement là-bas, et j'avais besoin de me retrouver. Ma quête intérieure était... J'ai eu peur. J'ai affronté la mort. Je suis partie d'abord. Je pars, moi, pas vaccinée. Donc, je suis partie sans vaccin. Je suis partie...
seule. J'étais habituée de voyager dans les 5 étoiles. Là, j'avais même pas la pointe du pic d'une étoile. J'ai pris des photos, puis j'ai dit, les gens vont pas me croire. À un moment donné, Clément et les enfants, ils ont dit, on va aller la chercher, parce qu'ils ont pas entendu. J'avais envoyé un courrier, dit, je vais être en retraite de silence pendant 10 jours, vous aurez pas de mes nouvelles. Eux autres, ils ont oublié ça, en tout cas. Ah, non. Fait que, tu sais, c'était peurant, mais finalement, moi, je me suis retrouvée. Et quand je suis revenue, ben j'étais complète. Et ça a pris, j'ai quand même continué trois années complètes à rien faire d'autre. Consécutive, là. Oui, sans arrêt, à me retrouver, j'ai habité un moment donné, ça c'est le paradis quand même, quatre mois dans une tente. Quand je dis ça, les gens disent, wow, j'ai habité 4 mois dans une tente, mais dans un ashram à Nassau, sur le bord de la mer. Ah, quand même. Un ashram à Nassau? Ouais. J'allais là pour une formation de professeur de yoga. Ma passion, c'est le yoga par passion. Et là, tant qu'à faire, pendant mes 3 années sabbatiques, ben je suis devenue professeur de yoga dans 3 disciplines différentes. Et, lesquelles? En fait, c'est Shivananda, Kundalini Yoga, puis le Kriya Yoga. C'est Kundalini Yoga. Oh, j'adore. C'est ma préférée, Kundalini Yoga. Vraiment, j'ai un penchant. Moi aussi. Yeah! Donc, c'est ça. Voilà, je suis rendue là. Alors, après ces 3 ans-là, tu reviens au Québec. Ça, le choc de la tête... Là, il y a un petit bout. Il y a un petit bout que je dirais pas maintenant, peut-être dans une autre entrevue, mais moi, j'avais fait des placements très, très haut risque. Donc, quand je suis revenue, j'avais comme pas le choix, quelque part, de revenir dans le monde professionnel. Et en même temps, j'étais prête. Écoute, j'étais zen, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand tu prends 3 ans de ta vie à faire 5 heures et demie de yoga tous les jours, j'étais lumineuse, j'étais solide en dedans. Donc, l'occasion s'est présentée d'acheter l'entreprise que je dirige maintenant. Et j'avais auparavant enseigné à cette école-là la 3e année, et j'avais beaucoup aimé. Quand à ses débuts, puis là c'était juste comme pour moi une continuité. C'était important pour moi de poursuivre ce que Ginette, c'est Ginette Plante qui l'avait à ce moment-là parti. C'était important pour moi de poursuivre ça. Et puis voilà, je dirige cette entreprise-là depuis maintenant 13 ans. Wow! Et quelle sorte de formation vous offrez à l'intérieur de ce centre-là? En fait, on forme principalement des thérapeutes de la relation d'aide. Donc, des thérapeutes qui pratiquent la relation d'aide. Là, présentement, depuis une semaine, la semaine passée, on a ouvert une autre cohorte de coach relationnel de couple, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, les couples. Je pense que... Vous avez ça en commun, Alexandra et toi. tout à fait. Donc, je pense qu'elle se connaît mieux que moi, là, parce que moi, puis mes premières vidéos là sur les relations, non. Là, c'est moi qui va coacher Alexandra. C'est ça, exact. Donc, je donne cette formation-là aux 2 ans, là, ça faisait déjà un petit moment que je l'avais pas donné. Donc, parce que je crois beaucoup plus au coaching de couple que la thérapie. Parce que on met l'emphase sur ce que ça prend pour que ça fonctionne et non sur ce qu'il n'y a pas fonctionné. Ouais. Et puis, ça a des résultats absolument extraordinaires. Donc, une méthode que vous avez développée ou qui existait déjà? Non, j'ai développé cette approche-là. C'est sûr que je me suis inspirée d'approches. Au départ, quand j'ai parti l'approche, je connaissais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait d'autres approches qui étaient alignées avec ma façon de penser, mais c'est que moi, je constatais que 8 couples, un lapsus intéressant. Oui. Donc, 8 couples sur 10, c'est allait pas mieux quand ils sortaient d'une thérapie de couple. Donc, j'ai dit, ça marche pas, là. Moi-même, pour en avoir fait, c'était catastrophique, là. Le thérapeute prenait pour moi. Mon Dieu. Moi, j'aimais ça. Oui. Et ça marchait pas. Ça a pas aidé notre couple. Oui. Donc, puis je dis pas que tous les thérapeutes de couple sont comme ça, là. Je dis pas ça. Je veux pas nier
dénigrer rien, mais c'est juste que ça me convenait pas. J'ai dit, ben moi, j'ai été à la recherche, puis je trouvais pas ce que je voulais. Mmh. Donc, à ce moment-là, ce que je me suis dit, ben je vais le créer. Parce que moi, c'est ça que je fais. Je crée des programmes de formation. C'est quelque chose que j'aime faire. J'ai plus de projets que je peux en enseigner puis en créer. Mais celui-là, il me tenait beaucoup à cœur. Donc, à continuer à faire mes recherches, ben là, j'ai rencontré d'autres approches qui s'approchent. Donc, entre autres, Harvey Lendrix, l'approche Imago, John Gottman. Donc, il y a quelques... La communication non violente. Ouais. Je me suis inspirée d'approches, puis avec mes observations à moi, ça donne quelque chose que je considère d'intéressant pour le coup. Et vous êtes située où? Ben les bureaux administratifs sont à Brossard, oui. OK. Puis la clinique, centre est là. Oui, on donne en présentiel, on donne nos formations là. Mais il y a eu un moment donné, on se promenait, on en donnait sur la Rive-Nord et sur l'Estrie. Là, on a tout rapatrié ça à Brossard parce que ça faisait trop à gérer pour moi. À un moment donné, j'avais trop d'équipes, trop grosse équipe, puis ça, j'étais pas nécessairement bien là-dedans. Et puis, on songe de plus en plus à aller vers des formations en ligne, donc c'est ce qui m'appelle... T'es l'experte là-dedans. Écoute, c'est pour ça que j'ai ma coach à côté de moi. Ça fait combien de temps là, que tu la coaches? Quelques semaines. Depuis le début septembre. C'est ça, exactement. À chaque semaine? Oui. Ouais. Wow, ça va progresser vite. Tu disais que tes deux garçons, ils font quoi aujourd'hui? Ils sont deux garçons heureux toutes les deux habitent pas trop loin de chez moi. On se voit régulièrement. Ils réussissent très, très bien. Un qui est urbaniste, l'autre qui est directeur dans une entreprise. Ça va bien pour eux. Ils sont épanouis. Puis moi, je suis bien contente de les voir aller comme ça. Ils n'ont pas eu le goût, eux aussi, de partir, se retrouver quelque part? Non. Il avait pas besoin de faire Non, pas du tout. J'ai proposé à un de mes fils, le plus vieux, à un moment donné, viens, on va aller faire le tour du monde parce que je voulais pas qu'il rentre dans l'armée. Et puis, ça a pas marché. Hey, mon Dieu, même si quand tu proposes le tour du monde, si quelqu'un dit non. Moi, j'y disais, ben, voyons donc, moi, j'aurais accepté. Il a bien saisi que là, c'était à l'étape où j'ai compris que la maman devait arrêter. Puis il m'a dit, là, maman, regarde-moi, là, t'as un homme devant toi. Il avait 17 ans, puis moi, je le voyais encore comme un petit. Ouais. Et puis là, c'est là que j'ai réalisé, écoute, il fait 6 pieds 5, là. Peut-être que je devrais arrêter de dire que c'est mon bébé, puis... voilà. C'est beau, c'est une belle histoire. Ouais, merci. Et tu es conférencière aussi et coach. Alors, toi aussi, tu t'impliques dans les couples, surtout dans le coaching de couple, c'est ça? En fait, moi, j'en fais plus individuellement, parce que je ferais que ça à un moment donné. J'ai recommencé à donner des conférences. Ça faisait 15 ans que j'en avais pas fait. Ouais. La première coïncide avec le lancement de mon livre. Oui, on va en parler aussi. Et puis, j'ai dit, bon, ça va être une belle façon de revenir sur la scène. Et puis, j'ai pris goût, je savais pas. Parce que je refusais. C'est quand j'avais des demandes, j'étais pas sûre. Puis, pourquoi? On dirait que j'avais fait ça, puis j'avais donné... Cette vie-là était faite. Hein? Oui, puis je voulais pas vendre, moi, des conférences. Donc, je me suis dit, si on m'invite pour une cause ou quoi que ce soit, pas de problème, je vais aller donner une conférence. Mais je voulais pas que ça devienne ton objectif mon objectif. Non, puis ni une principale branche de ma carrière. Et là, tu viens tout juste, parce que c'est tout nouveau, ce livre-là, il n'y a même pas un mois encore, c'est préfacé par notre ami François Lemay. Hey, Tu as pondu, moi j'adore le titre, là, j'adore, ça s'appelle « Congédier vos gourous ». La liberté d'être maître de soi. Et dans la présentation, ça dit que tu nous suggères de congédier nos gourous et de retrouver notre autonomie personnelle et spirituelle. Tu nous incites à cesser de rechercher celui ou celle qui prendra en charge notre évolution pour enfin commencer à devenir maître de soi. Pour quelqu'un qui fait du coaching auprès des couples, on lâche le gourou, mais on va chercher de l'aide. Ça veut pas dire de plus aller chercher de l'aide. Non, écoute, je dirais là, par rapport au titre,
90% des gens, quand ils voient le titre, ils aiment le titre. On adore, ouais. On l'aime ou on l'aime pas parce qu'il vient nous chercher. Ah, c'est très marketé parfaitement, je trouve. Merci. Et puis, je dirais que 80% des gens vont dire, ben, j'en ai pas de gourou, moi. Parce que la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de gourou, c'est une secte. Ouais. Et puis, quelqu'un qui va prendre du pouvoir, puis à qui on a donné tout son... On a remis, on a promis obéissance et tout. Et puis, 90% des gens en ont pas. Mais moi, c'est pas à ces gourous-là que je fais allusion. Pas du tout. Parce que, d'abord, il y a beaucoup de confusion à propos du mot gourou et du mot maître aussi. On n'ose même plus dire qu'on a des maîtres, mais c'est dommage parce que des maîtres, il y en a partout. Et ouais. on a des maîtres à l'école, on a des maîtres quand on engage quelqu'un. Quelqu'un qui vient réparer l'électricité chez moi, c'est un maître électricien. Donc, il y a des maîtres un peu partout. Et puis, quand on regarde un petit peu plus longtemps le livre et on l'ouvre un peu, là, on voit que c'est pas à propos du gourou autant que la liberté d'être maître de soi. Donc, moi, j'ai voulu, j'ai passé par un titre punch pour pouvoir dire, hey, c'est possible d'être maître de soi. Mais pour ça, il faut d'abord congédier ses gourous. Et congédier ses gourous, ce que ça veut dire, c'est pas juste les gourous extérieurs à qui on donne du pouvoir. Mais d'abord, c'est même pas ceux-là en premier. C'est nos gourous intérieurs. Parce que ce qui nous... Nos gourous intérieurs. Oui. Tu veux dire nos peurs, nos croyances. Oui. Nos conditionnements. Et puis, on en a tellement. Et on sait pas qu'on a un maître à l'intérieur de nous. On sait pas qu'on a tous la première étape pour la liberté intérieure, c'est d'abord revenir à soi et d'accepter qu'il y a un maître et il y a un élève à l'intérieur de nous. C'est rare les personnes qui ont appris à un très bas âge, mon petit, ma petite, t'as un maître à l'intérieur de toi. Malheureusement, c'est notre sagesse intérieure. Notre âme, notre moi profond. Hein? Oui, puis ça, ça a toujours été là. Notre joie de vivre, notre émerveillement. Et on Seigneur, qu'on a enfoui ça sous des couches et des couches de choses inutiles. Tout à fait. On s'est fait plutôt dire, t'es quelqu'un qui doit apprendre des autres. Tais-toi quand t'émets une opinion. Tu te prends pour qui? Beaucoup qui fait pas ton fin. Donc, on vient pas chercher. On dit pas aux enfants qui sont des petits maîtres en deux, puis qui ont un maître en eux, puis d'apprendre à l'écouter, malheureusement, mais c'est le premier pas, c'est revenir à ça. Ouais, on a toutes les ressources en nous, finalement. Hein? Tout à fait. Ça me rappelle l'histoire d'une cliente qui me suit sur Facebook depuis les tout débuts, une des premières qui likait tout le temps tout ce que j'écrivais, et puis elle est venue me rencontrer pour une consultation, elle va peut-être se reconnaître, je la salue si c'est le cas. Et c'était la première fois de sa vie qu'elle consultait pour se faire aider. Elle avait peut-être 52, 53. Et je lui accorde une heure et demie parce que, tu sais, je vois qu'elle a beaucoup de choses à dire puis beaucoup de choses à raconter. Puis à la fin, j'ai dit, on va devoir mettre fin parce que l'heure est déjà dépassée. Puis j'ai dit, tu repars avec quoi? Ben, elle dit, j'étais un peu déçue. Je dis, ah oui, comment ça? Ben, elle dit, je pensais qu'on aurait tout réglé. Tu sais, quand tu parles de gourou extérieur, tu sais, pour moi, c'était, ben, Diane, elle doit avoir une baguette magique, puis je vais sortir de là, puis tout va être réglé. Ça a tellement l'air facile. Et pourtant, je te dirais, aller chercher de l'aide, oui, mais penser que l'autre va régler notre situation à notre place, c'est une utopie, hein. Et c'est là qu'on est déçu, puis qu'on se fait souffrance aussi, parce qu'à un moment donné, ça fait mal de dire, ah, mais ça a l'air que c'est moi qui dois prendre sur moi, là, puis qui doit le régler, ce problème-là. Ben, il y a une différence entre dire j'ai un maître et oui, maître. Ouais. Donc, il y a une différence marquante. Donc, aller chercher de l'aide, c'est sûr. Tu sais, moi, regarde, je vous l'ai dit tantôt, Alexandra, c'est une mentor pour moi. C'est un maître dans ce qu'elle fait. Donc, j'engage ses services. Elle est une coach pour moi. Mais c'est un maître pour moi. Elle m'enseigne des choses. Ouais. Donc, les maîtres, moi, je refuse pas d'aller chercher leur... Il y en a partout. On en a besoin pour apprendre, pour maîtriser quelque chose.
Et en même temps, si elle t'enseigne quelque chose qui résonne pas en toi, tu le feras pas. Non, c'est la différence. Mmh. C'est donner son pouvoir à quelqu'un et de perdre le maître en soi qui est le problème. Mmh. Parce que en faisant ça, on perd notre discernement et trop souvent, on donne notre pouvoir à ceux, je dis ceux et à quoi on donne. On pense qu'ils détiennent la vérité, comme des système médical. Mmh. C'est extraordinaire, mais de temps en temps, il faut remettre en question le système politique, le système bancaire et tout ça. Donc, le système économique. On donne notre pouvoir parce qu'on dit, on peut pas croire que comme par exemple le gouvernement, on peut pas croire qu'il nous ferait prendre quelque chose qui est pas bon pour nous. Mais c'est à nous de décider à l'intérieur. Donc, notre guidance interne devrait nous parler davantage dans ce temps-là. Oui. Puis là, le phénomène qu'on assiste présentement, c'est bon, au Québec principalement, puis ou en Occident, je dirais, la religion est pas mal écorchée. Hein. Et puis donc, la religion ayant éclaté, on est à la recherche de d'autres sources pour se reconnecter à sa spiritualité. Et là, on va aller vers le développement personnel, vers la spiritualité. Et là, ben, il y en a plein de personnes qui prêchent la bonne nouvelle ou qui font des enseignements. Ben, j'en suis une personne qui donc. Le problème, c'est de donner son pouvoir aux personnes qui, on pense, qui détiennent la vérité. Oui. On a à prendre ce qui fait notre affaire et à laisser de côté, mais jamais perdre son discernement et se dire, hey, c'est-tu bon pour moi? La réponse est à l'intérieur. Oui, ce qui résonne est bon, habituellement. Oui, ce qui fait du bien, c'est la bonne affaire. Puis ce qui fait pas du bien, faut faire attention parce que des fois, on est confronté à voir quelque chose de nous, puis on n'a pas accepté, mettons, de le voir. Ouais. Fait que faut traverser ça. Ouais. Mais quand ça goûte pas bon à l'intérieur, là, faudrait peut-être remettre en question. Mmh. On parlait des gourous externes, des systèmes économiques, médicaux et tout ça, mais tu sais, le couple aussi, j'ai en mémoire un monsieur qui était venu me reconduire à la gare à Marseille. Je connais pas le monsieur, c'est un ami d'une amie d'une amie. Qui me dit, ben, plutôt que de prendre le taxi demain matin à 5h, je vais aller vous chercher, je vais aller vous conduire à la gare, tu sais, fait que, et à la gare, il reste avec moi pour prendre un café. Et, il se met à me parler de sa vie. Je connais pas le monsieur, je me rappelle même pas de son nom. Je pense que c'est Marcel, comme le nom de mon hamster dans ma tête, là, de mon ego. Et il me dit, ouais, je suis avec une dame, puis tout ça, mais, puis là, il me raconte c'est sa vie avec cette femme-là, puis qu'il l'aime beaucoup. Mais il dit, à un moment donné, il dit, je me suis assis, puis j'ai discuté avec elle, parce qu'il dit, je lui ai dit, tu sais, je t'aime beaucoup. Mais je ne m'aime plus dans notre couple. Et, en tout cas, ça me rentrait dedans, là, cette phrase-là. Je ne m'aime plus. Et là, il expliquait qu'il y a tellement fait de choses pour que ça marche, ce couple-là, que, comme tu disais tantôt si bien, il s'est perdu, il se reconnaissait plus, puis à un moment donné, il s'est réveillé, puis il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? J'aime plus ça, ce que je fais pour lui plaire, pour qu'elle m'aime, pour que ça aille bien, pour que notre couple fonctionne. Tu sais. Ça a été pour moi une très, très grande leçon de vie parce que combien de fois qu'on fait des choses pour acheter la paix, pour que l'autre soit content, pour qu'il nous aime, pour faire plaisir. Ça n'empêche pas de faire plaisir, mais faut que ce soit en affinité avec ce qu'on est. Alors, tu sais, justement, continuer d'être, tu sais, Alexandra t'en parle toi aussi, d'être vigilante sur est-ce que je m'aime encore? Est-ce que je m'aime bien? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je suis bienveillante envers moi? Oui, souvent ça aux personnes, quand on n'aime plus qui on devient en présence d'une autre personne, ben c'est peut-être le temps de remettre en question la relation puis soi-même aussi. Mm. Ton beau livre qui est édité aux éditions du Dauphin Blanc qu'on salue, j'aime beaucoup les titres de tes chapitres. Si tu permets, je vais en lire quelques-uns. Là. Être vrai, moi je pense que c'est la première chose qu'on devrait faire. Se connaître. Ça, c'est fascinant. Moi, je rencontre des gens, là. Ils ont 60 ans,
puis ils sont sûrs qu'ils se connaissent, puis mon Dieu, qu'ils se connaissent pas. En fait, c'est ce que je dis, pour atteindre la maîtrise de soi, de la liberté intérieure, la première chose, c'est de revenir à soi. Ouais. Et revenir à soi, c'est de regarder avec authenticité qui on est. Et une fois qu'on pose ce regard-là, on se rend compte qu'on se connaît pas. Donc, on fait quoi? Ouais. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire, donner un guide pour un chemin pour se découvrir. Oui, puis il y a un chapitre, en chapitre 6, les principes. Et là, t'as plein, t'as 96 conseils, trucs. Ça me faisait penser, je ne vais pas comparer parce que nos livres ne sont pas comparables, mais mon deuxième livre, il s'appelle « 101 cadeaux à se faire pour développer l'estime de soi ». Que j'ai d'ailleurs. Mais si, il y a eu 96 principes pour apprendre, je pense, à se refaire confiance, à s'aimer redevenir le maître de notre vie. En fait, avec les principes, c'est la partie principale du livre, les 96 principes, et chacun a été vraiment minutieusement étudié, recherché, remâché, décortiqué. Je voulais pas écrire un mot qui collait pas avec ce que je pensais. Mmh. Puis, je voulais pas aussi mobiliser les défenses de personne. Je voulais être très ouverte dans ma vision, dans la façon de le voir. Mais les principes, c'est quelque chose, c'est des choses qu'on adopte. On a tous des principes. Ouais. Et parfois, on sait pas, on les choisit pas nos principes, on les subit. On subit ceux qui nous ont été transmis. Oui, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, faut remettre en question qu'est-ce que j'ai acheté de mes parents, puis est-ce que c'est moi ou c'est eux, tu sais? Est-ce que c'est ma peur ou c'est leur peur? Ou des fois on entend, ah, je fais pas ça, c'est contre mes principes, ou ça, je veux régler ça, c'est une question de principe, mais sais-tu de quoi tu parles? Et on dit ça des fois, puis un principe qui n'est pas basé sur nos valeurs profondes, c'est un principe qu'on subit. C'est pas un principe qu'on a choisi. Mmh. Et c'est un principe qu'on a acheté, qui nous a été transmis. Mmh. J'aimerais beaucoup, j'en ai souvent parlé qu'au cégep, il y a eu un cours sur c'est quoi mes valeurs, moi. Mmh. Tu sais, quand on est à l'adolescence puis qu'on cherche, on devient un adulte, mais on sait pas trop, puis on a envie de tout rejeter de ce que nos parents nous ont donné, ou si on est très obéissant, on garde tout puis on met rien en question. Mais je pense que quand on détermine nos valeurs, ça guide notre vie après, puis c'est tellement simple de prendre des décisions parce que si, par exemple, j'ai la valeur d'authenticité, ben, si on me pose une question, je vais répondre la vérité. Tu sais, si j'ai pas à me demander, si j'ai dit ça, est-ce qu'elle va être fâchée? Je suis pas pour dire ça, c'est pas gentil, mais si je suis authentique, je vais l'être jusqu'au bout. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir 20 valeurs. Je pense que 3 fondamentales, c'est suffisant. Le reste, ça viendra après. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, il y a des valeurs principales, il y a des incontournables que je dis. C'est quoi les tiennes? Je dirais la première, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est tellement important pour moi, l'intégrité. Puis tantôt tu disais être authentique, puis intégrité, c'est être authentique aussi. Et ça veut pas nécessairement dire, à un moment donné, je parle de la vérité, tu sais, dire tout le temps la vérité en tout temps, toujours dire toujours toute notre vérité. Non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que ça prend du discernement, puis des fois notre vérité n'est pas. Moi, je parle là-dessus. J'aime bien la passoire de Socrate qui dit est-ce que c'est utile? Ouais. Est-ce que c'est absolument vrai? Mm. Est-ce que c'est utile dans le sens que est-ce que ça va servir? Et puis est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est bon ce que je vais dire? Mm. Moi, je rajoute à ça. Est-ce que t'es prêt à prendre les conséquences de ce que tu as envie de dire si jamais tu vas jusque-là? Mm. Parce que est-ce que c'est relationnel? Parce que ça, ajouter ça, des fois, ne pas dire quelque chose peut être très relationnel aussi. Donc, c'est de prendre soin de l'autre. Mm. Donc, les valeurs, pour revenir aux valeurs, l'intégrité, pour moi, c'est très, très, très important. Mm. Puis quand on parlait du couple tantôt, combien de fois je rencontre des couples qui n'ont pas les mêmes 5 premières valeurs? Moi, je dis là, les 5, mettons que tu en mets 5, là, ben il faut au moins qu'on ait la même valeur de ce que c'est le couple. Est-ce qu'on a la même vision du couple? Donc, les valeurs, moi, le plaisir, c'est une de mes valeurs premières.
Donc, ça rentre dans les cinq, les premières valeurs. Donc, l'intégrité, le plaisir, eh bien, si je suis avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs, ça marchera pas. Non. On va s'en aller, à un moment donné, les chemins vont nous séparer. Ouais. Tu as totalement raison. Tu parles aussi de pratique à la carte, des exercices du maître, des principes du maître. Et en dernière partie, tu as les principes de quelques experts que tu as interviewés, dont Daniel Blouin, Diane Hébert, Annick Laprate, Martin Latulippe, François Lemay. Tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère, hein? C'est fantastique que les gens aient pris le temps d'écrire qu'est-ce qui motivait leur vie, finalement. En fait, ce qui est arrivé, c'est très, très, très drôle, c'est que je voulais 100 principes. Bon. Et puis, à un moment donné, j'ai fait réviser mon livre une dernière fois. Ça finissait plus de faire réviser, là, vraiment. Et puis, j'ai eu une critique littéraire, une révision littéraire qui m'a rentré dedans, comme on dit. Et puis, je remercie tellement cette personne-là parce qu'il m'a dit, « Hey, Lise-Marie, t'as de la redondance à des places, puis dans mes principes, il dit, il y en a que tu répètes. » Fait que là, moi, j'ai dit, « Ah, j'ai pas le temps. » Le dauphin blanc attendait. Écoute, je retenais mon livre, puis j'étais encore en train de réviser. J'ai dit, « Il va me manquer 10 principes. » Là, j'ai demandé à Alain Williamson, « Est-ce que je peux ajouter... » ça m'est venu l'idée de prendre des grands principes de grands maîtres. Gandhi, Jésus et tout. J'ai dit, « Ça va être facile à écrire. » parce que chaque principe me demandait plusieurs journées. Mmh. Donc là, ça va être facile. Mmh. Moi, rédiger ça de petits clins d'œil. Et puis après ça, dans la nuit, moi, je me réveille souvent la nuit pour... tu vois, tu te sens comment avec Alexandra? Mes moments de lucidité et de clarté sont là, en fait. Et puis, les tourments aussi sont là, mais plus souvent les lucidités. Et puis, ça me dit, non, demande à des auteurs locaux. Donc, j'en connais. Et puis, j'ai dit, je vais prendre leurs grands principes de vie, ça va être facile. Donc, tu sais, Daniel Blouin, là, sortie de zone, sortez de votre zone. Donc, j'ai pris des auteurs que j'ai proposés, des interviewés, de rédiger leurs principes, de leur faire accepter. Et excepté trois qui ont rédigé, ils ont une plume impeccable, ils ont rédigé eux-mêmes, mais les autres, on a fait ça en équipe. Et ça a donné ça, c'est un cadeau inestimable. Ouais, c'est bien. Un bel ajout. Quelle belle histoire, hein? Vraiment, là, merci. Vous nous gâtez ce matin, mesdames. C'est vraiment fantastique. On va jaser à trois. Alors, oui. Pour nos amis européens, jaser, ça veut dire on va discuter ensemble. Et on vous revient après cette pause. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Mais t'as pas une pas? Facile, écoute-nous sur l'application TuneIn ou bien sur notre site web au 969fm.ca dans la section en direct. Puis en plus de ça, tu peux même écouter ou réécouter tes émissions préférées dans la section podcast. T'en veux du CJMD? En v'là! Tu aimerais contacter l'équipe pour annoncer à la radio? Rendez-vous sur notre site internet 969fm.ca. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique, disponible partout, même quand ça... Vous démarrez votre entreprise? Vous désirez ouvrir de nouveaux marchés? Ici Stéphane Thériault, vice-président exécutif de la Chambre de commerce de Lévis. Faites comme plus d'un millier de personnes qui, chaque année, font confiance à la Chambre de commerce de Lévis pour bâtir et consolider leur réseau d'affaires. Devenez membre d'une communauté jeune et dynamique à l'image de sa ville. Joignez sans plus tarder le plus grand réseau d'affaires de Chaudière-Appalaches et faites partie, vous aussi, des acteurs influents de la communauté économique lévisienne. Pour plus d'informations, visitez le cclevis.ca. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88-406-3434. Remise postale de $70 à l'achat de 4 pneus Toyo. Payé un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite! Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Saint-Anne, juste passé les chutes Montmorency, deux pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus, fier partenaire de votre alternative radio. Salut, c'est Payeur Méthode. Là, je suis pas ici pour vous parler de moi, mais bien de mon équipe de gérance PPS Canada. Ils sont complètement tombés sur la tête. Ils ont pas assez de travailler avec tous leurs artistes puis moi en management, qu'en plus, ils ont démarré deux nouvelles divisions. Une division jeunesse et une division événement. Vous pouvez donc les contacter pour tous vos besoins en artistes, spectacles,
kiosques, amuseurs, animations, jeux gonflables et thématiques, personnificateurs, objets promotionnels, la bouffe, la salle, le transport, puis toute la patente. Puis vous savez quoi? Vous pouvez même les contacter si vous voulez qu'ils vous montrent une activité pour vous autres. Vous n'avez rien à faire, ils s'occupent de tout. Un vrai clé en main. Ils ont même une spécialiste pour votre mariage. Ça va, hein? Alors, pour toute information, allez sur www.ppscanada.com. www.ppscanada.com et recherchez Jessica. Pour être sûr de passer une belle soirée quand on sort, une boîte à chansons, c'est l'option. Et le synonyme de ça à Lévis, tout le monde sait que c'est la petite grenouille sur Président Kennedy. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ne serait-ce que dans les deux derniers mois de 2017, vous aurez droit à Horloge Simard, hommage à Caillouche, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, hommage à Bon Jovi, hommage à Alan Jackson, hommage à Shania Twain, Irish Moutarde, Bud Acton, Jamrod and the Robbers Cover Band. En plus de nos nombreux chansonniers. Et pour finir l'année en beauté, la grande débâcle le 31 décembre. Les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. La petite grenouille à Lévis, c'est la place pour les spectacles sur la rive sud de Québec. La place où sortir pour finir 2017 sur la bonne trame. L'appel de la poursuite de vos études se fait entendre. Vous êtes parent d'un jeune dont c'est le cas. Vous devez absolument avoir en tête le cégep Lévis-Lauzon qui vous ouvre justement ses portes le samedi 11 novembre prochain. Venez vivre en personne l'atmosphère effervescente qui y règne et rencontrer profs comme étudiants. Visitez les installations, laboratoires et autres aménagements. Familiarisez-vous avec leurs 10 programmes préuniversitaires ou 17 techniques et jaugez leur large gamme de services complémentaires aux études. Vous comprendrez vite pourquoi on dit que le cégep Lévis-Lauzon est synonyme de performance. Et ce ne sera même pas à cause des faucons qui jouent malheureusement à l'extérieur le 11 novembre. Vous aurez l'occasion de vous reprendre, parce que si vous venez le 11 novembre aux portes ouvertes, vous serez charmé. Présentez-vous dès midi au 205 Monseigneur Bourget à Lévis et donnez-vous la chance de choisir le cégep Lévis-Lauzon, un cégep performant. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88-406-3434. Remise postale de 70$ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payé un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite! Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Saint-Anne. Juste passer les chutes Montmorency. Deux pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. CJMD 96.9. Alors, on est de retour avec Alexandra Villarroel Abrego et Lise-Marie Boudreau. Alors, mesdames, je vais vous poser quelques questions qui me tiennent à cœur, surtout en ces jours-ci. Quelle est la place de la femme aujourd'hui dans le monde du développement personnel? Parce que j'ai longtemps, on a eu l'impression longtemps que c'était un boys club. Oui. Et on en avait déjà parlé, Alexandra. On avait dit que ce serait bien de faire quelque chose avec un girls club. Ben oui, on essaye toujours de se réunir. Tu sais, je t'avais dit la dernière fois, on avait fait un souper, mais là, malheureusement, d'être un peu trop long. On doit les faire ici à Québec, dans le moment où on les fait à Montréal. Mais oui, je pense que c'est, il n'y a pas encore une grosse place pour les femmes, mais c'est pas seulement dans le monde du développement personnel. T'sais, on s'entend que c'est dans toutes les industries. Si on voit les industries puis les leaders là, tu sais, au top de n'importe quelle industrie, c'est encore des hommes parce qu'on est toujours dans une société patriarcale. Donc les femmes, on est en chemin. Je crois qu'on, évidemment, on a fait beaucoup de progrès au cours des 100 dernières années. T'sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on se rend pas compte que ça fait juste 100 ans que tu sais, on pouvait pas voter comme ça. Ça fait pas 100 ans, ça fait 30 ans. Alors, 40 ans. Donc, imagine, ça fait juste 40 ans, puis on a quand même fait beaucoup de progrès rendu à où on est aujourd'hui. Donc, on doit quand même se féliciter, je crois, pour qu'est-ce qu'on a fait. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis, comme j'ai dit, c'est pas seulement dans le développement personnel, c'est vraiment dans toutes les industries. Puis, la façon de pouvoir se placer en tant que, si je peux dire, leader ou en tant que vraiment, tu sais, avoir une place dans n'importe quelle industrie, c'est en nous aidant les unes des autres. C'est vraiment la façon de le faire. Puis c'est pour ça qu'on essaye justement de se réunir entre femmes puis de s'entraider, parce que c'est ça que les gars, ils ont. Ils ont leur boy club. On s'entend que dans le monde du développement personnel, c'est comme ça. Ils s'en vont en voyage, ils font plein d'affaires ensemble. Sur le nom, on s'est dit, ben nous, si on va faire ça. Ça fait bien. Puis en même temps, il y en a des femmes. Il y en a beaucoup, beaucoup des femmes qui sont dans le développement personnel. L'affaire est que ce que moi j'observe là, c'est que hommes-femmes, les deux, si ont un créneau semblable, puis que l'homme va avoir un certain charisme, ben il va l'emporter. Moi, dis pourquoi. C'est que la majorité des gens qui suivent les mouvements de développement personnel, c'est des femmes. Et on 90%, est naturellement attiré vers
l'homme qui va, il a l'air un peu plus crédible, il a l'air un peu plus, ouais. il y a une coche de plus. Donc, c'est la femme à quelque part qui demande ça aussi encore. Mm. Donc, il y a ce phénomène-là aussi. Très bon point. On parlait de ça avec Marie-Josée Arel. On ouais. était en souper, le souper que tu n'avais pas pu venir ouais. finalement. Je suis en conférence avec elle ce samedi. Et super, oui. tu lui diras allô de ouais. ma part. Mais on était assises l'une à côté de l'autre puis on parlait de ça. On était rentrés dans cette grosse discussion-là sur le fait que dans l'industrie, comme tu as dit, il y a des femmes, mais on dirait que les femmes, donc du public, si on peut dire le public féminin, choisit toujours les hommes. Puis on se dit, ouais. pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Puis on disait à la table que, tu sais, moi, une femme que j'admire énormément dans le monde du développement personnel puis du marketing aux États-Unis, c'est Mary Forleo. Moi, les vidéos que je regarde, c'est Mary Forleo. Si je veux acheter des choses, c'est ça va pas être, malgré le fait que j'admire Brandon Bouchard puis Tony Robbins, je vais aller avec Mary Forleo parce que je m'identifie en elle. Puis je sais pas si c'est ça, mais on discutait en rapport à ça à la table puis on se disait peut-être que c'est une question de, là, je sais que ça peut sonner mal, mais de manque de confiance en soi. Ouais. En tant que femme que, oh non, moi je vais pas prendre une autre femme, tu sais, moi je vais aller avec l'homme, tu sais, avec la figure paternelle. On sait pas si c'est ça, on n'est pas arrivé à dire, OK, c'est vraiment ça la raison, mais on discutait puis on se demandait, est-ce que ça se peut que ça soit ça. Il y a beaucoup de jugements entre femmes, plus qu'entre hommes. Tu sais, une femme qui va prendre la scène, on sait qu'il y en a beaucoup dans la salle qui vont dire, mon Dieu, elle a donc bien pris du poids, elle est donc bien mal habillée, ou elle est bien trop belle, elle doit pas être naturelle. Tu sais, tous ces commentaires-là, on les a tous entendus. Il y a encore beaucoup de préjugés par rapport au physique de la femme. Ouais. Une femme qui a 50 ans, qui est animatrice à la radio, là, il faut qu'elle paraisse jeune, faut qu'elle ait un beau visage. Un homme qui a les cheveux gris à la télé, les hommes sont plus crédibles, sont beaux. Et donc c'est un peu aussi dans notre culture, même physiquement, on est attiré vers la jeunesse. Ouais, mais en même temps, quand ce sont des hommes, on a plus tendance, comme on vient de dire, à dire, George Clooney vieillit bien. Hein? Ben, c'est correct. Bon. je pense aussi que ça, tu sais, ça vient de, c'est de la société patriarcale dans laquelle on vit. T'sais, si on pense aux films quand on était enfant qu'on regardait, les films de Disney. Ouais, ouais. Premièrement, c'est sûr et certain qu'on a toujours la fameuse histoire de que le prince charmant va venir nous sauver. Donc déjà là, notre association dans notre subconscient avec le masculin est positive. Ouais. Mais en plus de ça, si on analyse là beaucoup des films de Disney, Cendrillon, La Blanche-Neige, la femme dans le film, la madame dans le film, ben elle essaye de te tuer. C'est ta belle-mère, sorcière, là, la sorcière, elle essaye de te tuer. Ouais. Donc faut que tu fasses attention avec la méchante sorcière, avec ta belle-mère parce que elle va essayer de te faire du mal, mais là il y a le prince charmant qui va venir te sauver d'elle. Ouais. Donc déjà depuis très très enfant, de façon très très subtile, on se fait conditionner à voir que tout ce qui est féminin, c'est négatif. Mais ce qui est masculin, ben c'est qu'est-ce qui va nous sauver dans la vie, tu sais. Dans la foulée des nombreuses dénonciations qui ont eu lieu ces dernières, j'ai l'impression que ça fait des semaines, mais ça fait juste deux semaines qu'on est là-dedans, mais on est là-dedans beaucoup. Il y a malheureusement, j'oublie le nom, alors je m'excuse auprès du journaliste. Je crois que c'est du Devoir et qui disait. Tu sais là les allégations d'inconduite sexuelle et autres, puis il mettait un extrait du film de Star Wars où Han Solo coince la princesse Leia dans le vaisseau puis l'embrasse de force puis se frotte à elle puis tout ça puis elle le repousse puis à un moment donné ben comme il l'embrasse de force elle finit par puis l'embrasser puis tomber en amour et il rappelait la quantité de films qui sont comme ça. Il disait tous les James Bond. L'homme, James Bond agresse une femme, l'embrasse de force, puis a fini par tomber en amour et céder, tu sais. Il disait, moi, c'est ce que j'ai appris. Et là, je remets tout en question parce que j'ai appris ça. Moi, je pensais qu'une femme qui disait non, 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 c'était pas non, non, puis que tu sais, si j'insistais, elle va finir par dire oui. Puis si on repense à plein d'amoureux, plein de garçons que je connais, plein d'hommes que je connais, tu sais, qui vont dire ah, je vais finir par l'avoir, tu sais, elle dit non, mais tu sais, je vais travailler ou et cette espèce de débalancement là du pouvoir qui dit que l'homme ben il peut tout avoir, tu sais, finalement. Puis je veux pas embarquer dans une discussion féministe là-dessus, mais c'est la réalité ça. Fait que c'est il y a une espèce de reprise pour, tu sais, je pense que Lise Marie, ton livre tombe à point, tu sais, de reprise de notre pouvoir intérieur puis de dire, OK,
peut-être que ça, moi, ça me convient pas. Vous avez vécu ça, vous aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait, toutes ces dénonciations-là? Je dirais, écoute, ta question, elle tombe... J'avais le goût d'intervenir pendant que tu parlais, puis je me disais, non, tais-toi, dis pas ça. Puis, ce qui est là, la première fois, le premier regard, je dirais. Bon, j'ai vu passer, les premiers regards, ça m'a dérangée. Tu veux dire envers toi? Non, juste, je sens trop, c'est comme, bon. Deuxième regard, ça m'a interpellée, parce que là, ça prenait de l'ampleur. Troisième regard, après ça, je me suis dit, mais je suis pas concernée, j'ai pas été agressée sexuellement. Et je trouvais ça intense, là, des personnes qui racontent de long en large, puis je me disais, c'est-tu nécessaire? Puis bon, j'ai eu ces petites pensées-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je regarde à l'intérieur de moi, c'est quoi qui est sollicité? Parce que là, ça lâche pas, là. Et puis, c'est que j'acceptais pas que j'étais concernée par la situation. Parce que, puis quand je dis concernée, là, c'est qu'on l'est tous concernés. On peut pas fermer les yeux sur ça. On a tous été témoins où on a des gestes inappropriés, où on a endossé, où on a cautionné, ou soi-même commis des gestes qu'on dit, oh boy, il y avait peut-être du contrôle et de l'abus de pouvoir là-dedans. Donc, on est tous concernés par cette façon de faire. Puis comme tu disais tantôt, les messages, la façon qu'on a appris dans nos rapports hommes-femmes, ben il y a de ça que, oui, il y a encore des femmes qui remettent le pouvoir à l'autre, dire, viens me chercher. Si je dis non, c'est un oui. Tu sais, insiste un peu, puis ça va finir par être un oui. Donc, les messages sont pas clairs de part et d'autre. Les hommes sont confus là-dedans, les femmes sont confuses. On l'est encore plus tantôt, hein, parce que ils sauront plus comment creuser. Exactement. Et puis, l'homme aussi, là, la femme, depuis certains temps, là, depuis 40 ans, a fait un revirement incroyable, mais les hommes aussi en ont fait, parce qu'ils savent plus comment être des hommes. On veut des hommes machos, mais on les veut roses aussi en même temps. Mm. Donc, s'ils sont trop roses, on les admire plus, puis on les désire plus. Et s'ils sont trop machos, on ne peut pas vivre avec. La pulsion sexuelle est pas là s'ils sont trop roses. Et puis s'ils sont trop machos, ça fait pas notre affaire. On veut que la galanterie veut qu'ils nous ouvrent les portes. Puis en même temps, on dit je suis capable, je suis autonome. Il y a un message qui est confus là-dedans. Mm. Et puis par rapport aux agressions, c'est sûr qu'une agression comme elles sont dénoncées, ça devrait pas avoir lieu. Mm. C'est sûr que ça devrait pas avoir lieu. Et on est tous, toute la société, on est concerné par ça. Dans la façon d'éduquer nos enfants, dès le départ, ça nous concerne. Donc, le couple se traite entre eux. Les enfants, c'est pour ça que je dis, moi, le couple, c'est là où tout commence. Le modèle qu'on a, c'est celui qui va nous influencer plus tard. Le modèle de nos parents. Dans nos relations avec nos partenaires de vie. Mmh. Et après ça, est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Et toi qui es d'une autre génération, tu en penses quoi, Alexandra? Depuis que ce mouvement a commencé ou que toutes les femmes ont finalement, on a le courage de dire ce qu'on a vécu pendant si longtemps. Moi aussi, c'est quelque chose que je me questionnais. J'étais comme, est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vraiment vécu? Puis tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a des commentaires qui sont déplacés, il y a des regards déplacés. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais, j'ai commencé à mes 19 ans dans une industrie qui est majoritairement masculine. Donc, c'est sûr qu'il y a eu toujours des avances. Par contre, une chose que je me rends compte que toutes les femmes et les petites filles ont besoin, c'est, comme on dit en anglais, empowerment. Mm. Donc, c'est justement de donner ce pouvoir aux femmes-là pour pas avoir peur de dire non. Puis, je me suis rendu compte, depuis très jeune, qu'il y avait toujours, malgré le fait que parfois, il allait avoir des petits commentaires, il y avait comme un genre de respect que quand un homme allait me parler ou quand il allait comme... Tu sais, c'est comme s'il osait pas. Tu sais, c'est comme si... Tu sais, j'avais 19 ans, mais c'est comme s'il avait comme peur de oser parce qu'il savait que j'ai un très, très fort caractère. Puis si quelqu'un oserait quelque chose, c'est comme je serais très, très vocale dans ce que je dirais ou les gens qui seraient. Donc, c'est comme si, tu sais, c'est comme quand ça vient au pouvoir, les hommes qui ont du pouvoir ou peu importe qui a du pouvoir, très souvent vont s'attaquer aux personnes qui... Un peu plus démunies. C'est ça, exactement. Mmh. Donc, je pense qu'une grande solution vient de ça, de remettre le pouvoir aux femmes puis de leur dire qu'elles sont
non. T'sais, qu'il faut dire non, qu'elles peuvent dire non, qu'elles doivent pas avoir peur de quelqu'un qui a du pouvoir, puis aussi à l'éducation. Comme Lise-Marie le disait, c'est vraiment, vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que pendant des années, pendant des siècles même, on s'est fait enseigner que tout ça, d'une certaine manière, c'était correct, puis que c'était, que l'homme avait ce rôle-là, puis la femme avait ce rôle-là, puis que c'est comme ça que ça doit change être. Vite. Mais c'est comme tout en train de changer, puis je pense que autant les hommes que les femmes, ils savent plus trop comme, OK, mais comment est-ce que je dois agir? Juste la fin de semaine dernière, j'étais partie à un spa avec une amie. Puis on avait une conversation en rapport à qui doit payer, tu sais, dans le premier rendez-vous. Puis moi, étant une féministe, étant quelqu'un qui va faire une tournée de livres en, tu sais, full feminine power now, pouvoir féminin total, je disais que c'est le gars, que si moi je suis dans un premier rendez-vous puis que le gars il offre pas de payer, tu sais, le côté, c'est ça, macho, tu sais, c'est si s'il offre pas, ben ça va juste me faire pas envie de le voir. Ouais. Là, mon amie me disait, mais franchement, et comme ça fait pas de sens, tu sais, on veut l'équilibre entre les sexes, mais en même temps on demande certaines choses, puis là elle dit, OK, mais s'il dit de payer, etc., est-ce que tu vas accepter? Je dis toujours, j'insisterai, tu sais, je dirais, oh, non, moi je vais payer, c'est correct, t'sais, pour être poli, si on peut dire. Mais si il insiste pas de son côté puis il dit, OK, parfait, comme deux factures, ben je serais pas très comme attirée. Ouais. Ben c'est la même chose pour moi. Mm-hmm. Écoute, puis ça, c'est avant d'en prendre conscience, c'est à chaque fois que j'avais un premier rendez-vous galant, si j'avais une invitation au restaurant, ça se passait là. Quand la facture, si elle est payée, comme Alexandra dit, c'est un point important. Puis combien de femmes accordent de l'importance à ça? Mais moi, j'en accorde encore beaucoup d'importance à certaines choses, parce que pour moi, c'est un signe, bon, de galanterie, de respect, générosité, d'être poli. Bon, maintenant j'ai un peu plus d'ouverture à voir que différemment, mais il reste qu'en dedans de moi là, dans mes cellules là, ça fait comme pouit. Ça fait pouit. Je m'attendais pas à ce son. Mais c'est tellement vrai. Mais qu'est-ce que mon amie elle m'a dit? Puis peut-être qu'en entendant ça va te faire. Moi aussi ça me fait. Mais encore une fois, sûrement moi si je serais un premier rendez-vous galant, ça ferait pouit aussi là, tu sais. Mais mon amie elle m'a dit, elle comme c'est ça le consentement. Et comme le fait qu'ils disent non, je vais payer, puis ils disent oh non, moi je vais payer, tu sais, c'est la même affaire que si de faire dire comme oh non, tu sais, de dire à quelqu'un oh non, puis là en réalité c'est un oui, tu sais, c'est ça le consentement. Et comme c'est pas juste quand ça vient au sexe, c'est dans tout. Puis j'étais comme hey, mais c'est vrai. Puis Alexandra a raison, parce que si quelqu'un t'intéresse pas, tu dis non, je vais payer la moitié de ma facture. Je vais payer ma part. Ouais. C'est ça. Donc, c'est comme ça mélange, et comme tu t'envoies des messages tellement comme confus à quelqu'un que le gars il est comme OK, mais ils sont pas intéressés. Puis là s'il dit OK, fine, tu sais, si comme il accepte ton nom dans le fond, que c'est ça que les hommes se font dire, ben là toi t'es plus intéressé. Puis là tu sais, c'est comme ça, et comme c'est trop mélangeant, puis je pense qu'on sait pas encore quoi faire. Ben c'est juste... ça j'allais dire en même temps, tu sais, il y a une confusion qui va devoir être éclaircie à un moment donné, parce que je vais parler pour moi, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, on a tous envie que l'homme prenne soin de nous. Ça veut pas dire tout faire pour nous, ça veut pas dire faire à notre place, ça veut pas dire décider pour nous, mais tu sais, il a été conçu plus costaud, plus grand que nous pour prendre soin de nous, puis nous, on prend soin des enfants. Oui, la femme recherche la sécurité avant tout. Ça, là, c'est dans nos viscères, on recherche la sécurité. Donc, la sécurité financière y est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une relation amoureuse. Ah, mais tu vois, moi, j'ai jamais eu ça, parce que j'ai toujours assumé ma propre sécurité financière. Fait que pour moi, c'est pas là que ça se jouait. C'est plus dans la relation, là, vraiment. La présence. Le relationnel, là, tu sais, prendre soin d'eux, ça veut dire, je t'ai préparé à souper, finalement, parce que je sais que t'avais une grosse journée, tu sais, puis ça veut pas dire que... Il y a un équilibre, tu sais, on entend souvent, on veut être l'égal de l'homme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux pas être l'égal. Je veux qu'on soit complémentaires. Je veux pas être pareil comme lui. Je veux pas être, tu sais, sur la go tout le temps comme lui. Puis, je pense que, puis quand tu parles de ton empowerment féminin, tu sais, je pense que il faut garder ce qui nous différencie et porter ça en avant plutôt que d'essayer de faire pareil puis de réussir pareil. Dans le monde du travail où j'évolue depuis tellement longtemps, on voit des femmes qui gèrent comme des hommes. Et les femmes qui gèrent comme des femmes commencent à... Ben, il y en a eu
probablement de tous les temps, mais pas en majorité. Et là, on voit que les nouvelles gestionnaires commencent à avoir une préoccupation plus féminine, je dirais. Ouais. Puis je pense que c'est justement ça ma tournée, c'est beaucoup sur ça, c'est sur le fait que on a tous l'énergie féminine et masculine. Mais là, tout le monde utilise l'énergie masculine pour réussir. Puis là, ça fait que des femmes qui sont des féministes, des femmes qui croient au pouvoir des femmes, elles se trompent parce qu'elles utilisent plus le côté masculin, puis elles commencent à ressembler plus à l'homme. Mais ça aide pas la cause, justement, féministe. Il faut qu'on utilise nos pouvoirs féminins, puis justement, comme vous disiez, en rapport à la sécurité, etc., si on rentre dans le thème des chakras, les sept chakras, si on rentre dans la spiritualité, vraiment, dans les sept chakras, le pouvoir de l'homme se trouve dans son chakra de la racine, qui est le chakra de la sécurité, etc., de la stabilité, tout ça. Puis le pouvoir de la femme se trouve dans son deuxième chakra, qui est le chakra sexuel, le chakra du plaisir, le chakra de la beauté, de tout ce qui a rapport avec ce côté-là. Puis les femmes, à cause que notre chakra le plus développé, c'est le deuxième chakra, normalement, bien sûr, en principe, ça devrait être ça, on va être attiré à des hommes qui ont ce chakra de la racine, qui va être plus développé, qui est le chakra qui a rapport avec la sécurité, avec la stabilité. Ça peut prendre toutes différentes sortes de formes, tu sais, ça peut être financier, ça peut être juste quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, puis que, tu sais, ça se voit qu'il est stable, c'est ça, un homme solide, mais on est attiré justement à ça. Alors c'est le fait de comprendre, c'est que comme tu as dit, on est différents, tu sais, on a chacun homme et femme, on a nos différents oui, on devrait être égaux en termes de nos droits. En termes de nos salaires, absolument. À job égal, salaire exactement. Égal. Mais à la fin de la journée, est-ce qu'on devrait être égaux quand ça vient à qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qu'on aime en rapport à notre énergie? Tu sais, je crois pas, parce que c'est là que ça cause des problèmes aussi dans un même dans le travail. Tu sais, moi je fais mon travail de ma manière que je pense qui est féminine. Puis si j'avais un gestionnaire qui fait le même emploi que moi à côté de moi, il ferait de sa manière. Puis c'est correct aussi, tu sais. Je pense qu'on on attire les clients ou les employeurs qui sont en affinité avec ça, qui sont capables d'accepter que j'ai une vision différente du reste de l'équipe qui est masculine, par exemple. Tu sais. Je pense qu'il y a il y a de la place pour tout ça. C'est juste qu'il y a cette notion-là de pouvoir puis de, tu sais, d'imposition des goûts, des désirs et du moment où ça doit se passer, ça, c'est révolu. En tout cas, c'est en train de prendre le bord de manière assez drastique. Ouais, il y a une différence entre être égaux et être pareil. Ouais. Donc, l'erreur qu'on fait, c'est être pareil. On n'est pas pareil, on n'est pas constitué pareil. Mmh. Il reste que ça va être la femme qui va porter les enfants. Il y a des choses qui demeurent reliées au sexe de chacun. Et donc, un des problèmes majeurs, c'est la non-acceptation de la différence de l'autre. Mmh. Et parce qu'on vient dans des mondes différents, on vient de cultures différentes. Tu sais, nos deux parents, ils ont eu leur culture. Donc, on accepter d'être en relation, accepter le côté masculin et féminin en soi, comme Alexandra disait, dans chaque être, dans chaque personne, et de départager ce qu'on a envie de contribuer à sa relation de couple avec ce qu'on peut donner. Donc, si on a un côté un peu plus yin, masculin, ben on amène ça. Puis si on a un côté un peu plus féminin, on amène ça. L'idée, c'est d'avoir un équilibre et que ça soit comme un partage égal. Donc, le partage est plus important que la manière de ce qu'on apporte. Ouais. Donc, c'est plus ça. Puis dans l'amour qu'on met aussi, tu sais, dans puis pas juste dans l'amour sexuel ou amoureux, là, excusez le pléonasme, mais tu sais, on peut mettre de l'amour au travail, on peut mettre de l'amour en semant des graines dans le jardin, on peut mettre de l'amour en ramassant nos feuilles, puis on peut mettre de l'amour en écoutant une émission de radio, tu sais, c'est dans l'intention de départ. Puis je pense que c'est toi qui parlais de ça dans ta rencontre avec Neil Donald Walsh, qui a écrit les conversations avec Dieu, qui disait ça, qu'au départ, c'est de se donner une intention, comme tu le fais avant chaque conférence, moi aussi, ou avant chaque intervention de coaching, je demande toujours de l'aide pour aider le mieux possible la personne qui est devant moi. Toi aussi, vous faites ça toutes les deux. La planète a besoin d'amour. Ouais. On a besoin d'amour. Ouais. Et on le dit souvent, là-dessus, j'ai entendu déjà Alexandra dire la même chose, c'est qu'il y a deux grandes énergies.
la peur, l'amour. Et quand on n'est pas dans l'amour, c'est qu'on est dans la peur de quelque chose, peur de perdre quelque chose. Ouais, ça guide 90% de nos actions, je pense. La peur, sauf qu'on n'en est pas conscient, parce que souvent, on réagit. Quand on se voit réagir, c'est qu'il y a une peur. C'est ça. Je pense que dans n'importe quelle action qu'on s'apprête à entreprendre, n'importe quoi qu'on s'apprête à dire, n'importe quoi qu'on s'apprête à faire, idéalement, ça serait de toujours se demander, est-ce que ceci que je m'apprête à faire est basé sur la peur ou sur l'amour? Puis si c'est sur la peur, ben on le fait pas, on le dit pas, on va pas à cet endroit-là, peu importe. Puis si c'est basé sur l'amour, ben on peut aller de l'avant. Mais c'est sûr que c'est idéalement, n'est-ce pas? On peut pas à chaque instant demander ça, mais le plus qu'on peut, je pense, ça réglerait beaucoup de choses dans ce monde, je crois. Si tout le monde se demanderait cette question-là avant de dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit, ou peu importe. En même temps, si j'ai peur, par exemple, de lâcher mon travail parce qu'il ne me satisfait plus ou il ne m'inspire plus, mais il faut que je sois consciente que c'est de la peur. Ouais, de la peur. Dans le fond, t'as peur de la peur. Oui, mais c'est parce que je veux juste préciser ce que tu disais tantôt, tu sais. Moi, je pense que la peur nous indique la direction à prendre, parce que c'est là que c'est Jean-Pierre Gagné qui disait ça aussi, tu sais. C'est en allant vers notre peur qu'on peut la surmonter. Et si on laisse nos peurs nous guider, on n'avance pas vite. Puis on reste pris dans nos patterns, puis on reste pris dans nos souffrances. Mais les peurs sont nécessaires. Pour survivre, on a besoin. S'il arrive un gros lion à côté de moi, la peur qui va venir automatiquement, j'en ai besoin pour ma survie. Donc, les peurs sont pas nos ennemis, sont nos alliés. C'est quand les peurs, il y a les émotions primaires. Donc, quand la peur est une émotion primaire, c'est le temps de dire, il y a une action à poser. Mais quand, on a envie d'aller vers sa voie, vers sa... Il y a quelque chose qui fonctionne plus à l'intérieur, puis que c'est les peurs qui nous mènent, c'est là qu'il y a un petit problème. Oui. Mm-hmm. Alexandra, si on veut te rejoindre, te voir, t'entendre ou t'écrire, donne-nous toutes tes coordonnées pour qu'on puisse savoir comment faire. Bien sûr, et bien sûr, mon site internet, alexandravillarouel.com. Donc là, on peut déjà trouver, le site est en trois langues, on l'a reconstruit, puis beaucoup de personnes ont de la difficulté à trouver où la chose pour changer la langue, et c'est en bas. Puis le pire, c'est que c'est moi qui ai dit à mes web designers de le mettre là. Français, moi je l'ai jamais trouvé. il est juste en bas, puis le pire, c'est que mes web designers, ils m'avaient dit, personne va le trouver là. Mais j'étais comme, non, mais c'est beau, comme c'est parfait, j'avais vu ça dans un site, comme c'est parfait. Ils sont comme, non, personne va le trouver. Je suis comme, non, fais-le, juste faites-le, ça va être parfait comme ça. Puis là, je pense que je vais devoir leur dire, vous aviez raison, finalement, on peut-tu le changer? On peut-tu le mettre en haut? C'est ça. Exact. En tout cas, alexandravillarouel.com, puis on peut changer la langue juste en bas. Ensuite, sur Alexandra TV, sur YouTube. Si on va sur YouTube, on écrit juste Alexandra TV. On a plus que, je pense qu'on a au-delà de 400 épisodes. Oh mon Dieu, Seigneur! Tous les mardis, il y a une nouvelle vidéo en français. Donc, ce matin, à 5 heures du matin, le nouvel épisode en français. C'était quoi ce matin? C'était comment atteindre des niveaux d'excellence et de grandeur. Wow! Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est sur ma chaîne YouTube, puis évidemment aussi sur Facebook. Si on cherche Alexandra Villarouel Abrego, la page principale, et aussi sur Instagram, Alexandra Abrego. Alexandra Abrego. Puis, si on va avoir des détails de ta prochaine tournée, ils sont sur ton site? Sur mon site, sur la page événements. C'est là qu'on va voir toutes les dates, toutes les villes. On a 11 villes en tout. Puis, comme j'ai dit, ça commence en janvier. Sinon, à part ça, je sais que je vais être de retour à Montréal. Je vais partir, puis après, juste deux jours après la conférence à Vancouver, je suis de retour à Montréal. Si je me trompe pas, c'est à Laval. C'est un événement que je vais aussi faire une conférence dedans. Ça va être sur... Oh mon Dieu, il faut que je me rappelle du titre. Mais bref, je vais publier tout ça sur les réseaux sociaux en temps et lieu quand cette conférence-là va approcher. Puis ça va être en français. Et tes livres? Mon livre, Beyond Beauty, A Guide to Self-Love, Self-Confidence and Full Feminine Power, présentement est seulement disponible en anglais et on peut le trouver partout, à Chapters, on peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver un peu partout. Puis sinon, il y a aussi la version francophone du livre, de la première version de Beyond Beauty, qui était sortie en 2012, la version en français. Puis ça, on peut aller sur mon site web aussi pour le trouver. T'avais pas un deuxième livre qui était basé sur ta conférence, sur ta tournée que tu t'apprêtes à faire? Ben, c'est ça, c'est Beyond Beauty. Ah, c'est t'as réécrit, finalement. La nouvelle version du livre. C'est génial. Qui, justement, parle beaucoup de ce qui est le pouvoir féminin. J'ai hâte de lire ça. Mais vraiment hâte de lire ça. Merci, Alexandra. Merci à toi. Lise-Marie?
On veut t'écrire, t'entendre, te voir. Mon site internet lisemarieboudreau.com, c'est une façon. Le centre, c'est. Peux-tu redire le titre? Le centre de formation professionnelle en relations humaines. Et puis sur YouTube aussi, j'ai une chaîne YouTube qui débute. C'est vrai, ça fait pas très 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 longtemps. Et puis sur les réseaux sociaux, je vais très bientôt, je vais faire une tournée conférence. Avec ton livre? Oui, ça va être sur la maîtrise de soi. Donc, une tournée conférence à travers le Québec, à travers le mouvement Entre Donneurs, qui va... Ah, je connais pas. Juste un scoop. Il va... Par chance que j'ai pas dit, ah oui, c'est bon ça. Oui. Ça va être annoncé très, 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 très prochainement, très, très prochainement avec d'autres personnes que plusieurs connaissent aussi là. Donc il va avoir des expos conférences et puis en 2018 une tournée conférence en Europe. Et ton livre? Mon livre, Congédier vos gourous. La liberté d'être maître de soi dans toutes les bonnes librairies. On peut le commander sur Amazon bien sûr, en ligne. Il y a Archambault, il y a Renaud-Bray et puis la façon la plus facile peut-être c'est Amazon et puis dans les librairies il est là quand on veut avoir la version papier rapidement. Merci, Lise-Marie. Merci à toi. Je vais faire quelques nouvelles avant de vous dire au revoir. Alors, pour ceux qui demandaient des nouvelles de Jocelyne Ferfer, qu'on salue, son état est stable, je dirais. C'est notre amie en Europe là, qui est une neurothérapeute qu'on a fait découvrir ici au Québec il n'y a pas tellement longtemps. Alors, elle a des problèmes de santé, mais on la salue parce que elle va bien. Mais elle doit se reposer. Alors, on la salue. On pense à toi, Jocelyne. On t'aime fort. De mon côté, cette semaine, demain, je serai en conférence à l'Association des hôteliers de la région de Québec. Et samedi, je serai au colloque Le santé, le bien-être dans tous ses états. Ça se passe au Centre de foire de Québec. Il y aura François Lemay, Christine Michaud, Marie-Josée Harel sera là et plusieurs autres. Je pense que Daniel Blouin aussi sera là. Finalement, tout le monde qui est dans ton livre. Et on donnera des conférences. C'est une activité organisée par Tribune Communication et Catherine Davaux. Donc, tous les détails sont sur ma page Facebook. Vous pourrez aller voir. Vous pouvez aller taper aussi colloque le bien-être dans tous ces états. C'est toute la journée une série de conférences et des kiosques de l'information. Il y a des ateliers, entre autres, des ateliers d'écriture avec Patrick Pelletier et plein d'autres ateliers là, dont j'oublie tous les titres. Et nous serons de retour la semaine prochaine pour une autre émission. Alors, Alexandra Villarroel Abrego, merci du fond du cœur pour cette belle présence et pour cette belle entrevue. C'était un grand bonheur pour moi. Merci à toi, Diane. C'était un plaisir et un honneur d'être ici avec les deux belles femmes ici. Merci, Lise-Marie Boudreau. Merci d'avoir accepté l'invitation comme ça, avec autant d'enthousiasme. Et j'adore les synchronicités de la vie, tu sais, que vous soyez ensemble aujourd'hui alors que vous travaillez ensemble et que je ne savais pas. Alors, Non, je ne l'ai pas mentionné. Merci à toi pour ton invitation d'abord, mais pour la femme que tu es, ce que tu fais et ton message, le message que tu livres. C'est d'abord ça qui m'a attiré chez toi la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est ce que tu fais, ce que tu écris. Donc, merci à toi. Merci, Alexandra. C'est un plaisir à chaque fois de te retrouver, de te voir et de t'entendre. Je suis fascinée. Je me dis, tu sais, à 27 ans, quel beau modèle pour les générations de cet âge-là. Merci. Si je fais encore de la radio, quand tu auras mon âge, je t'invite. On va se revoir d'ici là. Je vais me souvenir de ça. Oui. Je le mets dans mon agenda déjà. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous mardi prochain pour une autre émission de Porteurs d'espoir. Lévis 969. 50% talk, 50% musical, 100% Lévis. 96.9. On vous voit en grand nombre dans les shows dans chaque ville, même si les radios commerciales décident sans nous comme on l'acquiche. Les jeunes savent la valeur de ce qu'on donne, puis on demande, fait que le hip-hop provient à la tonne. Prépare les carreaux qu'on s'exporte en gros long. 96.9.
Puis fuck, ça me décourage. Walking on violence everywhere, des man n'a pas. J'essaie de tourner la page, plus en plus de choses m'arrachent. Mais qui en find love, des wall à des madouines qui crash. Tout le monde vend des crack, tout le monde fait des rap. Nobody care about nothing, just laugh. Oui, oh, les relations éclatent, mais les gens il faut qu'ils parlent. Sauf cause, cause, ça guan, yeah, y'a plus love. La vida est assez. Je sais dans ma bulle. It's a constant fight against the devil, the devil. Les parents dans l'inquiétude. T'inquiète, maman, j'fais pas de pilule. Mon employer's up the high grade, just a little, a little. Souvent j'suis une tête de bulle. Des choix pas faciles en plus. We are fierce, but we done the struggle. The struggle. L'inspiration plus rare que la pleine lune. Mon cœur est froid, s'il te plaît, bébé, amène ta canicule. La vida est assez. C'est cerveau, t'as pas à le prendre au perso. Still feel you, everyday below my grow. Ma tête est comme un ghetto, j'me roule un cœur dans l'exo. I still some things, they boy just can't let go. J'me sens perdu même en métro, une course sans faire pour les BMOs. N'a pas ta muse, c'est la bosse à acto. Donc sinistré dans mon réseau, c'est qu'à traiter sur la peau et mes os. Qui carré dans le life is not an easy road. La vida est assez. Mon esprit est ailleurs, je suis pas attentif.
Juste derrière moi, là, sur le trottoir, se tenait un flic. Quand il a senti l'odeur, la situation est devenue problématique. D'un coup, une ceinture me plaque contre le mur. Me dit, petit voyou, on peut jouer les durs. Je lui dis doucement, la bavure, c'est pas de la drogue dure. Repassez tout à l'heure, je vous montre la facture. Elle est bonne, elle est pure, c'est dans la nature. Y'a sûrement pas de quoi vous faire une fracture. Interdit par la loi, c'est pas dans votre culture. Mais soyez sympa, faites preuve d'ouverture. Rendez-moi ma high-grid, high-grid, high-grid. Soyez cool, monsieur l'officier. Laissez-moi ma high-grid, high-grid, high-grid. C'est juste un tout petit sachet. Rendez-moi ma high-grid, high-grid, high-grid. Y'a vraiment pas de quoi se fâcher. Laissez-moi ma high-grid, 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 high-grid. Doit-on vraiment fermer ce qu'il a fumé la console? Oh, no. Aujourd'hui tout le monde le sait. Elle n'a jamais tué personne. Pour l'anorexie, on la donne. Il paraît qu'elle est bonne. Contre l'alcool fonctionne. En Californie, on s'étonne qu'on nous emprisonne quand leur médecin la cautionne. Et je ne remets même pas ce vieux débat sur la table au sujet de l'alcool. Il fait bien plus de dégâts. Rendez-moi ma high grade, high grade,